Et bonjour, bonsoir, bienvenue. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le 9e épisode de la série Révélation. On va commencer par voir un petit truc que j'ai fait sur la Quarry. On voit qu'elle a miné 800 chunks sur 108 en fait, parce que c'est 1000 et quelques en fait. On voit pas. Il n'y a pas assez de caractères, mais en gros, je suis en train de miner 1000 chunks. Et vous pouvez voir que ça va assez vite. 802, 803. Pourquoi? Parce qu'en fait, je l'ai configuré de manière spéciale. Elle ne va miner que 9 de haut. Par contre, sur une dimension maximum, c'est-à-dire 512 sur 512. Pourquoi je vais miner cette taille maximum? Parce qu'en fait, je vais miner que les couches basses, qui comprend d'ailleurs la Bedrock. Donc en vrai, je vais miner 6 couches, même pas 9. Pour ramener le maximum de Draconium. Donc on voit qu'elle mine toujours. Et la prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer cette carte. On peut l'améliorer. Donc sûrement pour la prochaine quarry, même si je la fais hors live, voilà. En lui ajoutant 4 Dimensional Shards qu'on a trouvé un peu partout, y compris dans le Nether, et la carte qui est déjà dedans. Une Ghast Tear, vu qu'on a un spawner, on s'en fout. Émeraude et diamants, on en a plein à la maison. Donc là, ce sera simple à faire. Et ça nous permettra donc de ramener les objets avec fortune. Ça pourrait être bien pour le Draconium. Ou alors on verra si on a des Nether Stars à le faire pour ramener en silk, c'est-à-dire avec Steel Touch. J'ai pas encore décidé ce que je ferai. A priori, je penserai plus pour du silk, mais sinon, fortune c'est bien aussi. Voilà, pendant qu'on parlait, on voit qu'elle a fait 5 chunks, donc ça va assez vite, hein, parce qu'elle mine vraiment que le bas, et en plus, comme j'ai augmenté un petit peu mon énergie, je vous montrerai ça après, je peux lui envoyer 6K en permanence, et elle les obtient. Ce qui veut dire que du coup, j'arrive avec 6K à lui donner à peu près autant d'énergie qu'elle consomme, environ. L'énergie monte, baisse, mais en gros, ça ressemble à peu près à ça. C'est un petit peu moins, parce qu'en fait, c'est quand elle bloque un peu, parce qu'elle se remplit trop vite. Quand elle bloque un peu, forcément l'énergie remonte, et vu que ça descend tout doucement, bah, la barre d'énergie descend doucement. Enfin, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai trouvé pas mal de créatures en allant un petit peu explorer dehors. D'ailleurs, j'ai trouvé aussi une forêt magique. Au niveau des créatures, je commence à en avoir capturé pas mal. Non, squid, villageur, oui, je suis tombé dans un village. Des wisps et une sorcière, witch. Normalement, j'ai surtout chopé. Voilà, thermal foundation, j'ai eu un basalte. Et parce que malheureusement je cherchais dans un biome froid et je voulais chercher le blitz mais j'ai eu un basalte. Bon bah voilà, basalte c'est fait. En tout cas maintenant je peux les faire spawn les basaltes, ce qui peut me servir pour certains trucs de thermal. Et normalement aussi j'ai eu... Ah ouais mais peut-être qu'il est encore dans mon sac, parce que j'avais plus de Pokéball. Et j'ai dû les mettre dans une truc standard. Ouais, des blitz. Des blitz c'est un ancien golem, parce que j'avais plus de Pokéball sur moi. Vu que j'avais plusieurs voyages. Et du coup... Je vais pas capturer. Alors du coup, on va faire ça. Donc ça c'est pour le Blitz, celui des déserts. Et donc on va libérer l'autre également et le capturer dans une Pokéball. C'est pour pouvoir le transférer dans une autre machine hein, que je fais le transfert. Voilà. Voilà. Comme ça on a les deux, puis en plus on peut récupérer les bouteilles si pour plus tard j'ai pas de Pokéball. Donc là, il nous manque quasiment plus rien de thermal, il nous manque que le Blizz. J'ai essayé d'en choper dans les biomes de froid, mais j'ai pas trouvé. Ensuite, justement, dans l'exploration que j'ai fait, je suis dans ces coins-là, j'ai repéré, c'est là que j'ai chopé le basalte d'ailleurs, c'est dans une montagne. Il y avait de la neige, mais malheureusement c'était une montagne. Il faudrait que je trouve une zone de neige qui soit pas extrême île, et là c'est encore un extrême île, mais j'ai trouvé une forêt magique surtout. Là, il y a une forêt magique avec le village dans lequel j'ai pris le villager. Et là, c'est des taïgas, donc c'est moins intéressant. Et voilà. Et là aussi, il y a une forêt magique, c'est ça? Ouais. Donc j'ai trouvé deux forêts magiques. Quand on commencera certains modes magie, ça nous servira bien. Surtout Tomecraft. Quand on commencera Tomecraft, ça nous servira énormément d'avoir ces données. Ça doit être une genre de fontaine à la con, ça, vu la forme qu'elle a. Oui, c'est ça. Ok, donc ça c'est fait. Aujourd'hui, on devrait commencer Draconic Evolution. Donc pour ça, il va falloir qu'on commence à préparer des trucs. Mais étant donné que notre système, il mine en bas, en fait, il ramène pas mal de comment ça s'appelle? Même s'il le ramène sans fortune, il ramène pas mal de Draconium Dust. Et donc, dans les 800 chunks que j'ai fait, j'ai ramené ça. Faut quand même 800 chunks pour ramener ça. Donc, il faut quand même un petit cumul, hein, léger. Mais quand même, en ce laps de temps, j'ai quand même ramené ça.
qu'on va évidemment mettre à brûler pour commencer à faire nos premiers lingots de... Enfin, nos premiers. Nos lingots de draconium, et il se trouve que j'en ai déjà fait cramer un petit peu. Voilà. Hop, je vais le foutre là pour le mettre en priorité. Comme ça, hop, lui je l'enlève. Et hier, quand j'étais dans le laine que je cherchais une comète, en même temps j'ai miné ce que j'ai trouvé. Et en minant ce que j'ai trouvé, j'ai quand même ramené un petit peu de draconium déjà, que j'ai déjà fait fondre. Et je me suis un petit peu mis dans mon ordinateur, je crois, parce que je voulais en avoir en poutre encore. Ouais, j'en ai quand même 300, ok, encore ici. Je vais pas tout prendre, parce que des fois j'ai besoin de poudre. Pas beaucoup, mais j'ai quand même besoin de poudre de temps en temps. Mais je vais les mettre à brûler. Et avec ça, déjà, on pourrait faire une pile. Ça serait une bonne nouvelle. Parce qu'une pile de Draconic Evolution, ça pourrait commencer à nous servir quand on consomme moins d'énergie, genre quand la courrier fonctionne pas. Et donc lui, je l'upgrade en hauteur de 5 plus 2. Pourquoi 5 plus 2? Parce qu'avant j'avais un coil de 5, maintenant j'ai un coil de 10. Donc j'ai doublé les pales. Je suis passé à... Merci Seven Chamber pour le follow. Bienvenue à toi. Je suis passé donc à 80 pales au lieu de 40. Par contre, je consomme pas assez de steam pour pouvoir le faire. C'est pas que j'en produis pas assez, c'est que j'ai limité. Pourquoi? Parce que là, au niveau vitesse, j'ai mon rotor qui irait trop vite sinon. Là, je suis à 12K, j'ai essayé de mettre plus de steam, j'y perds. Donc ce que j'ai fait, c'est simplement, j'ai que 5 de coil de haut, alors qu'hier j'avais 3, il aurait fallu que je mette 6. Mais étant donné que plus tard, je veux mettre de l'Enderium, quand j'aurai mis de l'Enderium, évidemment, ça freinera plus et il y aura moins besoin de blocs pour la même chose. Et donc je pourrais produire a priori 20K avec exactement la même turbine. Il faudra juste que je change les blocs qui sont en bas du coil pour passer de l'électrum à l'autre version, je sais plus comment ça s'appelle. Ensuite, on va voir avec notre cher broyeur à qui j'ai fait broyer beaucoup d'or. Je fais broyer une bonne dizaine de stacks de 64 de gold or. Et donc on a fait 49 cinnabars. Donc on n'a pas fait beaucoup, mais bon. En même temps, les taux sont faibles. Et pourquoi je voulais vous montrer ça? Parce que j'en avais parlé l'autre jour. C'est du ferrous, ça s'appelle? Non, c'est pas du ferrous. Comment s'appelle cet or? Savoir que c'est un or de thermal. Le nickel. Ça dépend des versions, en fait, il change. Et donc on va brûler le nickel dans cette machine-là. Avec le fameux cinnabar. Et en fait, on va obtenir à 100% une. Ah oui, je le vois pas forcément. À 100% obtenir un platinium. Ce platinium, on va pouvoir le croiser avec différents trucs pour faire le fameux Enderium. C'est comme ça qu'on fait l'Enderium souvent early game. C'est en essayant d'obtenir le maximum de cinnabar possible. En broyant donc, si on peut, de la redstone, mais c'est rare. Mais la redstone, c'est 50%, donc c'est cool. Et sinon, faute de, il faut mettre tout le gold que vous avez. Le gold, il faut uniquement le broyer dans un pulvériseur, toujours. Jamais dans une autre machine en début de game. Pour pouvoir avoir le cinnabar. Voilà, et donc maintenant je vais avoir une quarantaine de platinium, ce qui va me donner pas mal d'endérium. Donc quand je vois de l'endérium, je sais que je pourrais récupérer là. Il ne manquera plus qu'à faire la base et ça sera parti. Donc pour ça, c'est fait. On va commencer donc Draconic Evolution. Normalement, j'avais déjà le bouquin Draconic Evolution. C'est une tablette. Je regarde s'il est quelque part. Est-ce que ça s'appelle vraiment tablette? Peut-être qu'elle est là. Salut Renchirok, ça faisait longtemps, comment vas-tu? Ah, je l'ai mis là. Hop, Draconic Evolution. Comment vas-tu, comment vas-tu? Alors, on a le début de Draconic Evolution, expliqué en détail. Il est super ce bouquin, c'est sûrement l'un des meilleurs bouquins tuto guide. Et on va commencer sûrement par faire à la fois le fusion crafting, pour faire des crafts de type fusion du mode. Et c'est assez cool d'ailleurs à faire. Et on va aussi faire certainement. Très bien, nickel. On va certainement faire aussi la pile. Donc la pile, on va voir par rapport au tiers. Pour rapport au tiers, il faut voir combien on peut faire de quoi. Pour ça, vous allez dans le guide. Vous cherchez Energy Network. Ça, c'est pour le. Non, c'est pour les crafts. Et moi, il me faut énergie. Stockage énergie. Ça va pas être le même nom. Energy Storage. Donc Energy Storage, c'est cette grosse boule qui permet de stocker de l'énergie. Je ne me rappelais pas qu'elle était orange, mais bon. Je suis en projet, je fais mon entreprise de graphiste. Ah! Ah bah, bon courage. Faut être doué, mais ça peut le faire.
Et donc le tiers, il contient beaucoup de millions d'RF, c'est une grosse pile. Mais le tiers, par contre, il a un coût. Donc on va voir par rapport au nombre de draconium blocs qu'on peut faire, combien on va avoir de trucs possibles. Donc, est-ce qu'on peut cliquer ici? Non. Ah, c'est ici. Donc le tiers 1, il demande quasiment rien. Il demande les trucs de base. Le tiers 2, il demande les trucs de base, plus 6 draconium blocs. Ensuite, c'est 26 draconium blocs, ensuite c'est 54. Donc on va voir si on peut faire 6, 26 ou 54 draconium blocs. Après, c'est trop, hein. On arrive à 90 draconium blocs et tout. Là, j'ai pas ce qu'il faut, quand même. Faut pas exagérer. Mais on va voir par rapport à combien de draconium blocs on peut faire déjà. Ce qu'on va faire. Savoir qu'il faut quand même que je garde un peu de draconium pour la suite. 58. Donc 58, on pourrait faire. Non, le tiers 4 c'est trop, ça me ferait consommer trop. Donc pour l'instant, on va se faire sur un tiers 3. Donc il me faut 26 draconium blocs. Et les 4 trucs de base. Donc, comment faire une de ces piles? Alors généralement, moi je la fais dans un chunk complet. Moins évidemment 2 blocs. Parce qu'un chunk ça fait 16 sur 16. Et vu qu'il y aura un bloc central, il vaut mieux quelque chose d'impair. Donc du coup, ça sera 15 sur 15. Par exemple, la pile, je vais la faire. Au milieu là, donc à peu près ici. Donc, pour ça, on va avoir besoin des objets de base de la pile, donc à savoir qu'il nous faut normalement Energy Core Stabilizer, normalement, et le Energy Core tout court. Celui-ci. Et pour ça va demander des Wyvern Core, qui vont lui demander donc des Nether Stars. Donc il va falloir qu'on passe à commencer à faire des boss du Wither, des Wither Boss, pour pouvoir commencer à faire ces fameux crafts. Donc pour ça, on va devoir besoin d'en poutrer un petit peu. Est-ce que je pourrais pas faire le grinder tout de suite, ça sera fait. Parce qu'il y a un appareil qui permet de tuer les boss du Wither assez facilement. Ça s'appelle le Mob Grinder, et ça demandait Draconic Core. Avant, on pouvait pas trop en faire, maintenant on peut. Évidemment, il faut que je convertisse un petit peu de mes trucs en lingots, parce que j'en ai plus. Voilà. Et donc, le grinder. Grinder, c'est exactement le même truc que le spawner qui est en bas. Si vous avez. Ah oui, il manque des trucs là, j'ai pas fait le corps encore. Si vous avez un mob qui est devant lui, il consomme de l'énergie. Cette énergie, elle sert à la faire marcher. Non, c'est pas un serveur multi sur cette série. Pas celle-ci. Et ça tue le mob qui est en face de lui, ça fait tomber l'XP, voilà. Qu'est-ce qui me manque? Ah oui, les épées. Deux épées en diamant. Faut que ça soit un peu cher quand même, parce que c'est un grinder, mais spécial, quoi. Il peut quand même tuer un boss du Wither, donc c'est pas un. C'est pas un grinder qui rigole, quoi. Ok, donc ça c'est fait. Et on va sûrement l'alimenter avec un flux point. Ah, qu'est-ce qu'il me manque? Obsidienne. Faudrait que je pense à aller chercher de la lave dans le Nether quand même. Parce que j'en ai pas beaucoup. J'ai que ce que ma quarry me ramène. Bon, ça m'a suffi pour l'instant, mais il y a un moment quand même, je vais en manquer. Hop, dans ce genre de situation, c'est vrai que c'est un peu chiant. Voilà, hop, un flux spawn. Donc, je rappelle, pour pouvoir amener de l'énergie dans un point spécial n'importe où. C'est mon système d'énergie pour l'instant, même si a priori il va évoluer un petit peu avec Draconic Evolution. Voilà. Et c'est tout, je pense, pour l'instant. On va juste faire en sorte de faire spawn des boss et de les tuer vite fait. Pour faire les premières Nether Stars qui nous mettra de faire les premiers objets. Après, il nous faudra un spawner, évidemment, mais pour l'instant, c'est pas le plan. On va prendre un stack de têtes. Un stack de tête, un stack de soul sand, c'est pas mal déjà. Hop. À savoir qu'il est résistant aux explosions du Wither, le bloc que j'ai, la Draconic Evolution. Quasiment tous les blocs de Draconic Evolution sont résistants aux explosions. Enfin, ce qui est machines qui servent à servir à faire des spawners, oui. Parce que son but dans la vie, c'est de faire des spawners quand même. Donc j'espère qu'il est résistant aux explosions quand même. Ça serait un peu bête sinon. Ok, on va dire qu'on va le mettre là par exemple. C'est temporaire, hein, c'est pas un vrai spawner, mais. Alors normalement c'est le côté avec les têtes qui tue, hein, si je me trompe pas.
J'espère, sinon ça va encore me créer des problèmes. Hop, select network, bah network, paf. D'ailleurs, network, j'ai donné des noms maintenant, c'est assez pratique, on peut renommer. Le FlexPoint, je pourrais lui donner un nom, mais bon, de toute façon, c'est intemporaire. Mais si on lui donne des noms, ça lui permet de voir un peu quoi consomme quoi comme énergie. On voit que le spawner prend 5K par exemple, 5K RF, et qu'il n'a pas de limite, donc ça veut dire qu'il prend ce qui reste. Et avec les systèmes de priorité qu'il y a là, on peut faire en sorte que des machines qui sont plus prioritaires, qui ont tout le temps besoin d'énergie, comme l'ordinateur par exemple, soient toujours alimentées. Alors, ensuite, on va mettre notre premier Wither Boss pour vous montrer. Et après, je vous montrerai un peu la technique que j'ai moi pour en faire spawn plusieurs à la fois, si ça se passe bien. Après, si ça se passe pas bien, on avisera. Donc, a priori, il va un peu détruire toute la salle, mais moi, je me suis caché derrière le bloc pour éviter que ça me fasse trop mal. Ça va limiter un peu le flux d'explosion. Ça devrait pas me faire trop mal. Voilà. Il s'est fait défoncer instant par la machine. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Et du coup, il a fait pop un Silverfish en cassant un des blocs. Silverfish qui est du coup venu m'agresser, quoi. Et voilà, on a eu ce truc qui nous intéressait vraiment, la Nether Star. Voilà. Donc j'ai dit que j'allais vous montrer quelque chose. Ah tiens, ça a fait gicler le soude d'explosion. Je pensais qu'il était bien résorbé par le truc, mais en fait, non. Est-ce que je peux mettre du coal carrément? Ça ira plus vite. Il a enlevé le flux spawn qui était derrière lui. Non. Ah, il fera peut-être un truc à énergie, c'est ça? Genre ça. Oh, ça c'est cool. On verra comment ça consomme comme ça par mob. Mais on peut surtout en faire pop plusieurs à la fois parce que vu que c'est manuel pour l'instant, que c'est pas un spawner automatique, on aurait quand même préférence à ce que ça aille vite, forcément. Et donc, un bon moyen de faire spawn des withers à la chaîne avec ce spawner, c'est de faire ça. J'en ai mis 4, c'est ça? Vous dessinez déjà plusieurs fois le T collé l'un à l'autre. Donc là, on imagine que c'est une fois le T pour faire l'un des boss, deux fois, trois fois. Là, il y a 4 T pour faire les boss. Ensuite, on place les têtes de côté déjà. Et là, en se dépêchant, on place les 4 autres. Un boss, deux boss, trois boss, quatre boss. On va s'enfoncer un peu plus, parce que là, ça va péter un petit peu plus fort. Et dès qu'ils vont péter, ils vont se faire défoncer par les grinders 4 en même temps. Ah, en effet, ça explose un poil plus fort. On peut dire que ça explose un poil plus fort, parce que même en étant au fond de la salle, les 4 explosions d'affilée m'ont tué, visiblement. Ah oui, ça a détruit quand même. Ça a détruit quand même une partie de la salle, hein. Il était cochon celui-là. Je devrais pouvoir récupérer mon stuff. Où est mon stuff? Where is my stuff? Ma tombe, elle est là-haut. Bug complet, d'accord. Ok. Là, du coup, j'ai tellement volé en explosion que ma tombe était au-dessus. Ok. C'est en train d'agrandir un petit peu la zone quand même. Alors normalement, il y a des blocs résistants aux explosions, mais vu qu'ils sont chiants à faire, j'ai choisi de ne pas les faire pour l'instant. Je les ferai plus tard. Mais on pourrait tout à fait s'en protéger et éviter que ça nous défonce, et surtout que ça défonce ce qu'il y a autour. Parce que là, pour l'instant, vous voyez rien du tout, parce que je sais pas où j'ai foutu mes torches. Mais en gros, là, si je vous éclaire la zone, vous allez voir qu'ils nous ont quand même bien défoncé la zone qu'il y a autour, là. Elle est tout à l'heure toute petite, elle est devenue un peu plus grosse. Voilà. Après, dites-vous que les Nether Stars, pas de problème, elles sont résistantes aux explosions. Donc même si les explosions vont pas tuer les Nether Stars, pas de problème à ce niveau. Apparemment, ça n'a pas consommé beaucoup d'énergie. Ça a rien consommé. Ça n'a même pas consommé 100K d'énergie, quoi. Ça n'a même pas consommé 100 000. Donc, on est plutôt tranquille. Hop. Faire un escalier pour remonter, quand même. Et donc, quand on veut des Nether Stars, on peut les faire comme ça, popper par 4 ou 5. Sauf qu'on a vu qu'il faut s'éloigner un petit peu plus. Et ici, enfin, pas ici, parce que je ne le ferai pas là, le spawner. Mais quand je voudrais faire un spawner, j'aurai juste à entourer la zone que je veux faire d'obsidienne. Et puis, ce sera go, quoi. Après, à un moment, il y a un mode qui nous permettra de le faire sans toutes ces contraintes, ça s'appelle Woot. Pour l'instant, Woot, pas tout de suite, ça va prendre un épisode à lui seul quasiment, donc
Woot, pas maintenant, mais quand on aura la possibilité de le faire, on le fera avec Woot. C'est lui. C'est pas une question tellement de ressources, hein. J'ai les ressources maintenant pour faire Woot. C'est juste que ça va prendre du temps. Ah, ça a changé, tiens, une Stygian en ville. Enville. Faut que j'étudie un peu le mode, il a quand même beaucoup changé. Normalement, c'est pas très compliqué à faire. Ça coûte des émeraudes, des diamants, des Nether Stars, donc ça coûte quand même cher, c'est vrai. Mais bon, en vrai, maintenant on peut se le permettre. Commence à voir qu'on fait des trucs plutôt classieux. On a réussi à faire 5 Nether Stars en une dizaine de secondes, donc faut pas trop se priver. Donc on a nos 5 premières Nether Stars, on va pouvoir commencer un petit peu Draconic Evolution. Alors, le premier truc à faire, donc, j'avais dit, c'était la pile. La pile demande, normalement, je vérifiais, mais c'est les Core Stabilizers. Energy Core Stabilizer. Energy Core x 1, Energy Core Stabilizer x 4, c'est logique, tout va bien. Donc, je vais déjà faire l'Energy Core, parce que c'est le plus cher, j'imagine. Il est là. Les Energy Pylons, on verra à quoi ils servent. Il nous demande, donc... Des Wyvern Energy Core. Ah oui, qui du coup lui aussi demande quelque chose. Il demande des Draconic Core. Après, Draconic, je vais en faire quand même une petite quantité parce que je sais que j'en aurai besoin dans quasiment tous les crafts. Quasiment tous les crafts demandent du diamant, du gold et du draconium parce qu'à chaque fois ça nous demande le Draconic Core. C'est pour ça que c'est cher. C'est pour ça qu'on l'a pas fait tout de suite. Voilà. Donc là, j'ai les deux genres de batterie. C'est les Wyvern Energy Core, ça sert de batterie dans le mode, mais vous pouvez pas en faire d'une batterie en tant que telle. C'est pour ajouter un mode de fonctionnement énergétique au truc du mode. Moi, j'utilise une Nether Star pour faire ma première Wyvern Core. Voilà. Et voilà l'Energy Core. Ça, c'est un peu le corps de notre pile. Et ensuite, Energy Core Stabilizer, qui se fait avec 4 particules, qui se font avec 4 draconiques, 4 blazes et 4 blocs of redstone. C'est pas si cher que ça. Des blazes, je dois plus en avoir, je vais en chercher en bas, dans le spawner. On bondit, on bondit, on bondit. Et toujours de prévoir donc une salle impaire dans laquelle vous allez faire cette fameuse pile. Parce qu'encore une fois, cet objet est central et il doit être justement bien au centre de la structure pour pouvoir être valide. Ok, donc les Blaze Rods. 1, 2, 3, 4. Et on transforme ces 4 trucs-là en trucs avancés avec des diamants simplement. Hop, 1, 2, 3, 4. Et voilà, on a le matos pour faire les premiers tiers. Après, je sais pas si on aura assez de. Si, remarque, on doit pouvoir faire un tiers en plus là parce que on a sûrement de quoi créer quelques blocs encore. Comme ça. Si on arrive à en avoir 64 ou même 55, c'est combien le quatrième tiers? 54. Donc on a ce qu'il faut pour créer le tiers 4. Donc on va tout de suite partir sur un tiers 4 qui a déjà une quantité assez affolante d'énergie. Donc tant mieux. Ça, on va le ranger un peu. Voilà, gardez-en quand même sur nous au cas où. Et on va commencer à placer donc les choses dans la salle. Je vais prendre des blocs un petit peu pour faire le cadrage. Des blocs de peu importe. Et je vais me servir de la grille. Je vais le mettre plus au fond. Et essayez vraiment par contre de mettre votre... Que ce soit le Chaos Generator ou cette pile, de les mettre dans le même chunk. Parce que il peut y avoir des problèmes de chargement si les chunks de la pile ne sont pas tous chargés en même temps. Si vous mettez la pile dans un seul chunk, forcément toute la pile sera chargée en une seule fois. C'est un truc qu'il faut toujours prévoir pour les structures multi-blocs. Qui sont importantes. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc là, on se retrouve à faire nos structures. Normalement, je suis à un bloc de la fin. Donc ici, c'est ça. Voilà. Et donc, pile au milieu, on aura notre corps. J'enlève la Magnum Torch, du coup. Donc on vérifie bien, parce que c'est... Vraiment, vous allez tous entrer sur ça. Donc si vous le placez mal, eh ben, il faudra tout décaler.
Vaut mieux vérifier deux fois que faire une connerie. Voilà. Donc déjà la Magnum Torche, on va l'enlever. On va la placer ailleurs. De toute façon, vu la portée qu'elle a, on s'en fout. Et on va commencer à creuser un petit peu autour. Parce qu'évidemment, ça va prendre un petit peu de place de faire cette truc. Mais les gros avantages, c'est que ce mode est vraiment super bien codé. Et qu'on peut faire un build guide. Donc le build guide, il est par rapport à au tiers qu'on veut. Et nous, on veut un corps tiers 4. Donc voilà le tiers 4. La place qu'il va prendre. Donc plus on se rapproche, plus on voit le truc. Plus on s'éloigne, plus il nous montre l'intérieur. C'est vraiment bien fait. Et après, si ce truc-là il vous rend un peu malade, vous pouvez normalement les faire par layer maintenant. Donc on doit pouvoir le faire le layer du bas a priori, pour montrer que le layer du bas. Ah ouais, c'est vraiment cool ça. Et ça, il nous le montre parce qu'en fait, il y a des blocs qui sont invalides et donc il nous les montre en nous indiquant qu'ici il devrait y avoir des blocs. Donc on va déjà creuser ici. Voilà. Donc ça, c'est la taille minimum, et vu qu'elle sera un peu plus grosse après, je vais agrandir un peu. Donc certainement qu'on va agrandir comme ça. Parce que c'est une pile sphérique. Voilà. Et sûrement qu'on va agrandir encore du coup comme ça. Donc, on va commencer à creuser. Donc le but, c'est pas vraiment de pouvoir tourner autour, hein, parce que en vrai, la pile tourne sur elle-même, mais nous, on n'a pas besoin d'interagir avec le dessous de la pile, donc je vais juste la mettre dans une genre de cuvette, simplement. Ce sera le plus simple. Voilà, on casse un peu les coins. Et on continue. Donc là, ensuite, là... Là, voilà, là ça m'a l'air à peu près symétrique. Et du coup au milieu on va creuser le dernier layer. Dans un de mes let's play, j'avais superposé comment ça s'appelle. J'avais superposé la pile de Dragonic Evolution, également le réacteur. C'était plutôt cool. Je sais pas si je recommencerai, mais c'était plutôt stylé en fait. J'avais bien aimé le principe. C'était en plus facile de régler les choses pour qu'elles fonctionnent bien, déjà. Et truc supplémentaire, ça évite que le réacteur explose. Parce que le réacteur à chaos peut exploser et l'explosion elle rigole pas du tout parce qu'elle rase. Bah en fait, quand vous vous mettez assez haut dans le ciel, vous voyez dans toutes les directions, voilà, bah c'est à peu près la dimension de l'explosion. Donc en clair, si ça explose, il reste plus rien. Hein, voilà, alors maintenant, on peut soit monter par layer, pour les faire par layer, soit mettre tous les layers et les traverser d'un coup. Après, c'est vrai qu'en vrai, le truc des layers, avant, ça n'existait pas, donc on va l'utiliser pour voir, mais c'est plutôt cool. Ça va vous demander évidemment de la redstone en bloc. Donc les blocs rouges sont des blocs de redstone classiques. Et j'en ai pris beaucoup trop, je pense. Et les blocs violets sont des blocs de... truc. Alors vous devez shift au début pour le truc. Voilà. Vous devez le shift à chaque fois. Parce que sinon vous allez accéder au truc. Super, je viens de poser une torche. Donc toi la torche, déjà tu vas gicler tout de suite. Voilà. Donc ça c'est le premier layer par exemple. Ensuite normalement je devrais pouvoir accéder au deuxième layer par ça. Donc si je fais layer 2... Hop, là il m'affiche la deuxième couche que je devrais mettre au-dessus des autres. Voilà, et on continue comme ça, comme ça, comme ça. En attendant, est-ce que je ferais pas, au fond, un truc avec de la glowstone pour faire un peu de lumière, parce que c'est pas ouf. Je pourrais faire de la glowstone en chisel, de façon à faire des briques de glowstone. Ça pourrait être pas mal. Ou alors utiliser la glowstone modifiée pour crafter d'autres choses. Voilà, les lampes, tout ça, non. Mais j'arrête parce que parfois il y a des jolis blocs lumineux. Je regarde s'il y en a quand même au cas où. Mais sinon, je veux juste chisel la glowstone et la poser comme ça. Et sinon, peut-être avec la poudre.
avec la poudre, la poudre, la poudre, la poudre. Récip, used. Non, 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 non. C'est souvent la technologie aussi, c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pages qui vont nous concerner au niveau technologie. Et que les pages technologiques vont pas trop trop nous intéresser, à vrai dire. Hein. C'est pas. Sinon, il y a aussi les torches cassées, cachées qu'on peut utiliser, mais bon, vu qu'on a plein de glowstone, on pourrait s'en servir. Non, je vois pas de truc qui me tape à l'œil qui m'intéresse. Donc je vais prendre de la glowstone et la chisel. Un K2, bon ça va. En vrai déjà si je fais un stack c'est pas mal. Ensuite pour le chisel il me faut bah, le chisel. Le AI chisel. Chisel intelligent, de Apple. Et on voulait en faire des briques. Des grosses briques. Parce que c'est un gros système, je pense que c'est bien les grosses briques. Hop, hop. Donc maintenant on peut faire ça. Et je vais les mettre en main gauche, tiens, pourquoi pas. Ensuite, on va retirer le cadre là, parce qu'on n'en a plus besoin de ça. Voilà. Et donc, on va commencer à les poser. Voilà, là c'est plus lumineux. Et donc j'ai souci un petit peu de marge parce qu'il y a des chances que plus tard j'upgrade ma pile, c'est même fort possible. Et quand je l'upgrade, évidemment, il faut qu'il y ait la place de pouvoir placer les nouveaux blocs à chaque fois. Donc pour un ou deux tiers, je devrais être tranquille. Par contre, si je passe dans les derniers tiers, je pense que je vais même devoir agrandir la zone parce que c'est assez énorme la place qu'il faut pour le dernier tiers. Mais en même temps, le dernier tiers, il coûte tellement cher que l'infinité, enfin la quasi-infinité d'énergie qu'il peut contenir. Il faut forcément qu'elle ait un gros coût et une grosse taille. Plus comme ça, je verrai bien ce que je fais. Ça va être parfait, ça. Le step assist, c'est sûrement le truc que je déteste le plus dans Minecraft. Mes bottes sont malheureusement équipées par défaut. Sinon, je l'aurais déjà enlevé. Mais comme mes bottes, elles ont également la particularité d'absorber ouais, d'absorber les dégâts de chute, je les garde parce que vu que j'ai un jetpack pour l'instant qui est pas ouf, je fais souvent des gros dégâts de chute en tombant comme une grosse merde. Et du coup, voilà. Voilà, ça m'a pris 2 minutes et c'est plutôt cool. Maintenant, on va commencer à faire le deuxième layer. Voilà, est-ce qu'on peut passer en dessous pour l'instant? Voilà. Fais toujours le dessous en premier, parce que c'est le plus chiant à faire. Dans ces conditions, en tout cas. Pour moi, vu qu'à chaque fois je fais un truc du genre, c'est toujours aussi chiant de faire le bas. Et normalement, si je me trompe pas, le prochain layer, c'est très simple. Il faut mettre juste des blocs draconium partout autour. Voilà. Donc il faut recouvrir la structure de draconium. Et c'est ok, la pile sera fonctionnelle. Elle ne sera plus qu'à l'activer. Et à faire passer l'énergie de ma base dedans pour commencer à la remplir quand j'ai du surplus. Ce qui devrait être le cas parce que je pense que ma quarry a encore dû bloquer là. Parce que pour l'instant, j'ai pas fait encore d'upgrade des genres de barils qui contiennent les items derrière. Et comme j'ai pas fait d'upgrade, évidemment, ils sont bloqués assez vite. 64 stacks pour une quarry qui avance aussi vite, c'est plutôt rapide à remplir. Voilà. Donc c'est déjà joli. Enfin, je trouve que c'est stylé quand c'est pas allumé, mais surtout une fois qu'on va l'allumer, ça va changer un petit peu. Après, j'aurai la possibilité de surélever les corps stabiliseurs si je veux plus tard. Si je fais un plus gros tiers, je monterai la structure d'un cran. C'est pas, ça me fera perdre de l'énergie sûrement, mais c'est pas grave. À vrai dire, si j'en suis là et que je veux passer dans les derniers tiers, je pense que l'énergie qu'il y a dedans, je vais m'en foutre un peu, honnêtement. Si on a envie de faire une pile quasi infinie au niveau énergie, c'est certainement qu'on a des ressources quasi infinies.
Voilà, donc on va l'activer maintenant. Donc on enlève le building guide et on active. Corps invalide, expect draconium block. Il y a un endroit où j'ai oublié de mettre un draconium block. Ce serait pas en bas par hasard? Ce serait pas genre là? Oui. J'ai oublié, d'ailleurs j'ai 10 blocs dans la main, donc oui forcément j'ai oublié de mettre des blocs parce que j'en ai pris l'exact nombre, donc s'il m'en reste c'est que j'ai pas tout posé. Mais le building guide vous le dit, hein, si vous avez oublié quelque chose, que vous avez pu le voir. Dès qu'on fait une connerie, il nous rappelle à l'ordre. Il vous indique qu'on a fait les boulets. Voilà, donc là on peut l'activer cette fois. Tatin! Et voilà. Une belle pile Draconic Evolution. Plein milieu de chez moi qui contient 9,88 gillions RF. Donc 9000 millions, ça représente quand même une quantité d'énergie conséquente. Et donc maintenant, il va falloir rentrer et sortir de l'énergie de cette pile. Alors pour ça, il y a une méthode qui est assez précise. C'est en utilisant des pylônes qui sont du mode. Il n'y a que comme ça qu'on peut rentrer et sortir de l'énergie de la pile. Peut pas vraiment interagir autrement, donc il faut faire les énergies pylônes. Ils se craftent par deux, c'est pas pour rien. Et ça coûte un Eye of Ender. Et quelques conneries, bon, ça va, le coût est pas excessif. Mais il a un placement important par contre. Je dois plus avoir de Eye of Ender. Voilà, maintenant j'en ai. Le placement est assez précis parce qu'en fait, quand vous le placez, par exemple, si je le place là, il sera connecté à la pile que lorsque je le configure avec un morceau de verre classique, morceau de verre de vanilla, par rapport à la hauteur de la pile. Alors, faut considérer la hauteur de la pile comme le cœur qui est en plein milieu, pas la grosseur de la pile. Donc, par exemple, la hauteur de la pile, je sais que c'est la hauteur des rayons. Donc là, normalement, il est plus bas que les rayons. Donc, pour le faire fonctionner comme il faut que je mette le verre vers le haut pour qu'il soit en direction de la pile, en fait. Mais nous, on va pas vouloir les faire comme ça. Superbe, je l'ai cassé du coup. Ça va que j'en ai encore. Alors forcément, c'est la pile qui me repousse, hein, parce que là, je me retrouve à avoir à être contre cette pile chiante. Attends, désactiver. Qu'elle arrête de me repousser. Bon, toi, tant pis. Je te reprendrai avec un aimant. Voilà. Activer, c'est pas un problème. C'est juste si vous modifiez les cœurs que vous perdez l'énergie qu'il y a dedans. Mais nous, on va vouloir rentrer l'énergie par le haut. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est souvent ça que je fais, moi. C'est on va foutre les trucs au plafond. Donc on va en foutre un là. Et un là. Et donc comme expliqué juste avant, le placement du verre pour indiquer quelle pile on veut faire tourner, parce que si vous faites dans le même chunk plusieurs piles, il faut savoir vers laquelle vous pointez, il faut que ça pointe en direction de... Enfin que le bout de verre pointe en direction de la pile. Donc quand on est comme ça, forcément la pile là, elle est vers le bas. Donc on va vouloir mettre le verre comme ça pour que la boule... Elle pointe en direction de la machine. Là, on le voit, elle pointe en direction. Voilà. Et après, il faut configurer une entrée et une sortie, parce que pour l'instant, elles sont configurées pareil. Pour ça, il faut shift-click avec une main vide, normalement. Est-ce que c'est sur le bloc ou est-ce que c'est sur le verre? Ah, là, c'est bon, ça a changé. Vous avez vu, ça fait un trait. Donc là, normalement, il y en a un qui envoie de l'énergie et un qui la reçoit. Ce que je vais faire, je vais me faire une petite plateforme pour bien montrer la configuration parce que c'est un peu tricky. Faut bien comprendre le truc, sinon vous allez me dire pourquoi l'énergie ne rentre pas dans ma pile ou pourquoi elle sort pas. Et alors qu'en fait, c'est tout con. Voilà, donc une main vide. Voilà, donc quand vous cliquez là-dessus, ça vous indique si c'est entré ou en sortie. On voit qu'il y a des petits jets qui partent en direction de la pile. Bien ça. Et là, on voit qu'il est en train d'émettre de l'énergie. On voit qu'il pulse dans ce sens-là. Celui-là aussi, il pulse dans ce sens-là. Donc du coup, on va les inverser. Lui, on va le mettre en input. Et il y a aussi des petites flèches là-haut qui vous aident. Donc là, c'est en train de faire rentrer de l'énergie dans la pile avec les deux flèches comme ça. Donc ça sera notre entrée. Et pour faire rentrer l'énergie, donc, on va utiliser le seul endroit où on fait vraiment beaucoup d'énergie, c'est-à-dire ici. On va détruire ça. On va utiliser encore un truc du mode qui s'appelle les basiques énergie relais. Ceux-là,
qui se craft avec la fameuse truc qui sert à faire des piles, comme tout à l'heure j'ai dit. C'est assez cool, j'aime bien ce système d'énergie de Dragonic Evolution, et ça peut transférer des grosses grosses quantités d'énergie, même en basique. Hein. C'est-à-dire que même le basique, il transfère des quantités plutôt folles. Je vous explique même pas les tiers suivants. C'est difficile d'arriver au taquet de ce qu'il peut transférer en énergie, quoi. Ensuite, vous le mettez dans une table de craft pour le diviser en morceaux. Donc là, je l'ai divisé. J'en ai pris un et je l'ai cassé en deux, en gros. Et quand vous le cassez en deux, ça permet de faire des entrées et des sorties. Quand il est complet, ça permet de faire des relais. Parce qu'en fait, vous pouvez relayer comme des fils différents trucs. Donc pour ça, maintenant, le mettre, il faut que je vise là. Voilà. Donc là, je l'ai mis collé là-dessus. Donc maintenant, il communique avec le bloc de la turbine. Et maintenant, je vais vouloir le mettre là-dessus. Très bien. Bon, on a deux cristaux et voilà. Mais quoi? Bah, il faut les connecter entre eux. Pour les connecter entre eux, il nous faut un petit crystal binder qui sert justement à bind les trucs du mode. Alors, le crystal binder, il est là. Voilà, donc une clé à molette qui sert spécifiquement à ça. Je clique sur lui avec Shift pour indiquer que je veux que ça soit la source de ce que je vais connecter. Et je vais connecter une des sources. Je peux en mettre plusieurs, mais là je vais en mettre qu'une, c'est celle-ci. Faut pas Shift, sinon ça ne marchera pas. Voilà, et là. Je les ai link, c'est marqué dans le chat Devices Linked. J'espère que vous êtes toujours content de mon accent. Et donc l'énergie qui vient de là va aller là. Sauf qu'il faut les configurer, c'est-à-dire que pour l'instant ils sont en équilibré et l'énergie n'est pas en train de rentrer. Si, en fait, vous le verrez quand l'énergie rentre, parce que ça va propulser des particules d'énergie jusqu'à la pile qui pour l'instant est à zéro. Pour ça, il faut les configurer en input ou en output. Alors pour ça, on shift avec une main vide. Et ça marque input ou output. Alors, il me semble que il faut que je le mette en input pour mettre de l'énergie dans le système. Je vais vérifier. Ça, je suis jamais sûr. Et là, je l'ai mis en output. Voilà. Donc là, il transfère parce que lui, il est en input, donc il met de l'énergie dans le rayon. Faut toujours se baser par rapport au rayon. Donc input, rentrer l'énergie dans le rayon. Output, prendre le rayon et sortir cette énergie pour le mettre quelque part. Et là, on voit que l'énergie est en train d'aller en direction de la pile, qui est en train de se faire charger tranquillement à 12K RF, à 12 000 RF, c'est-à-dire ce que produit lui. Pourquoi il se charge à fond? Parce que pour l'instant, il n'y a pas d'équilibrage dans le sens où je ne consomme pas l'énergie. Parce que pour consommer l'énergie, maintenant, il va falloir que je la prenne. Pour la prendre, par exemple, je pourrais tout simplement utiliser ce que j'avais tout à l'heure. Le point que j'ai appelé turbine 1, qui était celui de la turbine, qui maintenant va devenir le point principal, donc on va le rename parce que maintenant ça va être main comme principal. Voilà. Donc c'est la main entrée de courant. Et maintenant celle-ci devrait se charger en courant à partir de ce truc-là normalement. On voit là, il est en train de prendre de l'énergie cette fois-ci et il la transfère là. Et quand on clique sur la pile, on a le résumé. C'est-à-dire que maintenant je ne charge la pile plus que de 375 RF. Parce que je suis en train de transférer, sur les 12 000 et quelques que je transférais tout à l'heure, il y en a 12 000 qui partent en perte. Pourquoi? N'y a pas de petit chat, c'est bon. Bah parce que depuis tout à l'heure, ma base est déchargée en énergie, et que vu que j'en consomme beaucoup de l'énergie, toutes mes machines sont en train d'être vides, et elles demandent toutes à se remplir. Donc là, les 12K que je suis en train de fabriquer, sont toutes en train de partir dans mes machines, particulièrement certainement l'Aquari qui doit en consommer une quantité plutôt correcte. Et voilà, vous avez configuré la base d'Arganic Evolution. À partir de là, si je mettais un lot de cristal, on va en mettre un d'ailleurs. Donc il nous faut deux, comme ça. Je vais en prendre un que je vais casser en deux. Voilà. Et que je vais mettre ici. Pourquoi j'arrive pas à le placer? Bon, ça va être chiant. On va activer l'over mode, ce sera plus facile. Voilà, je puisse shift sans trop descendre. Voilà. Cette fois-ci, on va avec une main vide le mettre en input parce que là, il est en équilibré en fait. Équilibré, en gros, c'est fait pour des relais. C'est pour relayer l'énergie, mais c'est pas fait pour l'utiliser. Nous, on la veut en input, donc on shift-clique. Je sais pas si vous voyez, si c'est bon, je gêne pas. Ici, là, vous voyez son mode. Là, il est en output.
Mais là, il est en input. En tant qu'il est en input, on peut le configurer vers un autre cristal, qui cette fois-ci, ce sera un relais. Et je vais me mettre au centre de la pile, mettre le relais au plafond. Voilà, et je vais dire de configurer avec un shift-click. Je vais connecter à un autre binder qui sera celui-là. Et voilà, il y a de l'énergie dans ce relais-là. Et ce relais, je peux le connecter à autre chose maintenant, dans ma base, grâce à un autre petit bidule comme ça. Donc par exemple, si cette pile, je voulais la charger, je mettrais par exemple un cristal ici. Et comme lui, il est déjà configuré, on voit, il est vert. Sur ce cristal au milieu, j'ai juste à faire ça. Et paf, il y a l'énergie qui circule entre là et là. Voilà. Et vous pouvez configurer votre base comme ça, comme une araignée en fait, qui transférerait différents trucs. Vous mettez Clear Link si vous voulez annuler ce que vous avez fait. Vous le récupérez. Et lui, il a toujours son énergie qui est disponible. Voilà, il attend, il est en train de se charger. Il a une contenance correcte, bon, ça va. 4 millions d'RF pour le petit cristal. Donc ça va, c'est quand même une pile plutôt correcte. Mais elle sert plus à transférer énergie qu'à en conserver, évidemment. Mais juste vu les taux d'énergie qui fonctionnent dans Dragonic Evolution, vu qu'à chaque fois c'est tellement énorme, ils ont fait en sorte que même les petits trucs de transfert, les relais, ont déjà 4 millions d'énergie, alors qu'ils sont en basique. Et du coup, après, plus tard, on pourra les upgrade, mais pour les upgrades, il nous faudra plus de choses. Pour les wyverns, il nous faudra des wyvern core, donc ça coûte plus cher. Et surtout, après, il nous faudra des fusion crafting. Il faudra les faire dans un truc de craft qu'on va voir juste après. Fusion crafting qui consomme des quantités absolument astronomiques d'énergie. Je ne sais pas si je peux modifier les taux d'énergie ici ou pas. Je pense pas. Qu'est-ce qu'il y a, mon minou ? Bah oui, mon minou. Je sais pas si lui, je peux le descendre ou pas. J'ai pas l'impression, je pense qu'il faut que j'aille sur place. Je voulais voir si je pouvais changer les limites, histoire de descendre un peu ce qu'en prendrait Macquarie, parce que Macquarie, elle pourrait prendre pas mal d'énergie si elle marchait, mais je crois qu'elle là, pour l'instant, elle est pleine. C'est ça, elle est toujours pleine d'électrotine et de clay, parce qu'à chaque fois, comme eux, ils sont pas upgrade. D'ailleurs, je devrais au moins upgrade l'électrotine pour vous montrer vite fait, mais... Voilà, là tout est rempli partout, c'est le bordel. Mais c'est bien au moins, elle fonctionne plus, ce qui veut dire que pour l'instant l'énergie est stockée là-dedans. Ce qui est une bonne chose, parce que quand j'utiliserai l'énergie, finalement, elle repuisera. Ça m'arrange parce qu'en fait, je vais tellement avoir besoin d'énergie pour Draconic Evolution que si la quarry marche en même temps, tout va marcher au ralenti et j'en ai pas envie. Donc, ranger l'inventaire, c'est comme ça. On va ranger un peu ce qui traîne là-dedans. Voilà. Ça, il faut que je le mette dans mon petit sac. Paf, paf. Ça aussi. Voilà, ça, on va le conserver aussi. Ça. Et ça, c'est bon. Donc, on va partir sur le nouveau projet. C'est... Bonjour le chat. C'est créer la méthode de faire des crafts spécialement. Donc, pas par la table de craft, mais par la méthode de craft de notre cher Draconic Evolution. Oui, vas-y, roule-toi, mon minou. Pour le premier tiers, il faut utiliser les basiques fusion crafting, injector. Normalement, on les fait par 9 au début, même si après, il y a une variante. Mais au début, on les fait par 9. Et qu'on va utiliser aussi avec un fusion crafting core. D'accord ? Donc, on va déjà faire ça. Ça prend du lapis, apparemment, et un draconic core. Donc, pour l'instant, ça a l'air d'être OK. Voilà. Et par contre, imagine que ça coûtait un petit peu cher. Ça me coûte donc 9 draconic core. Les blocs off iron... Ça, on s'en fout. Voilà, donc là, je vais manquer de Draconic Core, c'est normal. Il m'en faut 8 de plus, au moins. Alors, ce qu'on va faire, on va en crafter 47, visiblement. Et là, je commence à plus trop avoir d'or, donc il faudra que je gère ça. L'or, on va le faire maintenant, parce que quand j'en aurai besoin tout à l'heure, je vais pas avoir envie d'attendre. Donc, je vais prendre un peu ce qui traîne ici. Je vais le mettre à pulvériser, là. Et comme ça, tout à l'heure, on aura ce qu'il faut. Je vais en prendre un pour le prioriser. Toi, tu passes directement en gold. Merci. Voilà, donc le gold, c'est réglé. On devrait pouvoir avoir ce qu'il faut. Et donc, il me manquait les injecteurs. Si je clique pas là-dessus. Et on commence par tiers, parce que pour fabriquer les suivants, il va falloir utiliser les premiers déjà. Parce que par exemple, pour créer les magiques, les wyverns, donc le tiers wyvern, parce que c'est des tiers dans Draconic. Pour créer le tiers wyvern, il faut déjà utiliser un basic fusion crafting injector dans le fusion crafting.
Donc finalement, on va utiliser le truc de craft pour crafter. En disant qu'on le met au fond ici. On va le mettre au fond ici, par contre, on va... Ah tiens, j'ai encore du gold ici. On va utiliser un bloc pour se caler, peu importe. Parce que derrière, il va nous falloir un petit peu de place. Ok, on verra quelle distance on peut parcourir. Et on va le mettre comme ça. Donc on peut les coller l'un à l'autre si on fait ça, normalement bien, en étant loin, s'ils sont dans le bon sens. Il y a un sens, hein, c'est-à-dire que si vous faites ça ne fonctionnera pas. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Et donc on va en faire 9 dans un pattern de 3 sur 3. Ensuite, à faire les alimentants en énergie, c'est là que je vous dis que c'est gourmand. Pour les crafts, vous allez voir le nombre d'énergie qu'on a pour un simple craft, sachant qu'on va à chaque fois en faire 2 ou 3. C'est un peu la douleur quand même. C'est la violence, quoi. Tiens, on va utiliser ça pour se caler. Normalement, on peut le mettre à une certaine distance, genre ça. Après, plus tard, je pourrais peut-être décaler pour en mettre ici. On verra, mais pour l'instant... Genre, on va pas faire trop compliqué, parce que c'est assez chiant à comprendre parfois à Draconic Evolution, au début en tout cas. Ensuite, il va me falloir d'autres Basic Energy Crystal Relais. Parce qu'on va avoir besoin de 9 ici. Hop. Voilà. Voilà. Donc on avait dit qu'il nous en fallait 9, 2, 4, 6, 8. Et à savoir que j'en ai un qui traîne ici. 9. Il s'empile pas parce qu'il a déjà été utilisé. Il me semble que si je le recrafte... Non. Normalement, le recrafter le clearerait, mais là, c'est plus le cas. Ensuite, on va les placer. C'est-à-dire que là-dessus, on va les placer pour qu'ils mettent de l'énergie. Donc il faut qu'ils outputent l'énergie. Donc là, ils sont en input. Output. 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 Voilà. Pareil pour cela. Paf, paf. Output, output. Ensuite. Paf, paf. Output, output. Voilà. Et comme ça, ils vont tous puiser l'énergie de la même source. Normalement, il devrait y avoir assez de sources sur un cristal. On va vérifier quand même. Output. Et output. Et donc, ils vont puiser de l'énergie d'un relais qui va tous les relayer. Que je vais mettre au-dessus. Et donc, tout à l'heure, on avait notre crystal binder qui était bindé au gros truc qui était au milieu. Je sais pas si vous vous rappelez. Je sais pas si niveau distance c'est bon, par contre, parce qu'il est quand même plutôt loin. Mais en gros, normalement, si je fais ça, c'est bon. Ouais, niveau distance, ça va quand même. Ça va assez loin, quoi. Maintenant, ces deux-là sont linkés. D'accord? Donc celui-là va transférer son énergie à celui-là, ils vont s'équilibrer. Sauf que nous, on veut maintenant partir de celui-là pour se connecter à tous ces trucs-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, connexion limite. Ah, parce que c'est pas des tiers 2. Alors ce que je vais faire, je vais connecter les derniers sur celui-là. Et je vais certainement clear l'un des links. Donc par exemple, toi au milieu là. Clear link. Je vais demander de transférer l'énergie à celui-là. Et du coup, celui-là a de nouveau 8 links. Ouais, c'est 8 links, c'est ça. De base. Après, souvent, j'utilise un tiers 2 déjà à ce niveau de la game là. Donc... C'est pour ça qu'il n'est pas. Il n'est pas sauvegardé comme il faut. Et voilà, donc là ils sont en train de se charger. A priori, ils vont se remplir d'énergie. Donc 4 millions chacun. Donc là, rien que pour le setup, il y a 36 millions d'énergie qui sont partis juste pour le tampon en fait. Hein. Et eux pour l'instant, ils n'ont pas d'énergie parce qu'ils se chargeront une fois que je commencerai à faire les crafts. Et voilà, notre système d'injection crafting est prêt. Sauf que maintenant, on va aller voir l'énergie qu'il y a dans la pile. Il n'a pas non plus été tant que ça. À mon minute, c'est vrai. Dans la pile, il y a actuellement 47 millions d'EREF. 48, bon, ça continue de monter. Comme la quarry marche plus, ça continue de monter doucement. En gros, il y a 1 million toutes les 10 secondes qui pop. Et on va voir les crafts combien ils coûtent. Par exemple, le craft qu'il faut qu'on fasse absolument, c'est celui-là, qui déjà de base prend 8 millions d'EREF.
Ensuite, si on fait les injecteurs en conséquence, parce que c'est un tiers wyvern. Donc si c'est un tiers wyvern, il faut déjà faire les injecteurs type wyvern avant de pouvoir le faire. Pour faire le tiers wyvern, il va falloir qu'on crafte les 9 wyverns, qui vont demander 9 fois 256 000 RF déjà. C'est déjà un bon début. Donc ça devrait me plier un petit peu la pile sans trop non plus la saigner. Et après, normalement, il y aura les tiers suivants. Voilà, le tiers, par exemple, celui-là, il demande 1,7 million par injecteur, donc x 9. Donc là, on est déjà à 14-15 millions. Ça, c'est des pives, normalement. Ce tiers-là, donc c'est bon. Ah, les outils, il va falloir qu'on fasse les outils, par contre. Pff, les outils. Il n'y a pas besoin de les injecter, ceux-là, ça va. Par contre, les draconiques, va falloir 64 000 RF. Non, ça va, c'est pas trop coûteux. Normalement, ce qui est coûteux, c'est de faire ça. C'est-à-dire que la dernière fois, on avait dit qu'on avait un cœur. On avait un cœur qui permettait de faire des blocs chargés. Il est là, le cœur. On voit le Dragon Heart. À chaque fois qu'on tue un dragon, on a un cœur. Et faire ce craft coûte 350 millions de RF par craft. À savoir que pour faire certains trucs, il va falloir qu'on en fasse 10. Ce qui va représenter 3 billions 500 000 millions d'RF. Donc ce genre de craft, comme vous voyez, n'est pas accessible à mon niveau, dans le sens où je ne fournis pas encore assez de RF pour remplir la pile correctement. Disons que si je lançais le craft maintenant, il serait à peu près fini quand j'aurai fini le stream. Donc bon, c'est peut-être pas ce qu'on veut. Regarder une machine d'une heure et demie n'a pas un grand intérêt. Donc on va éviter, mais déjà on va augmenter nos fusion crafting injectors. Un truc qui est bien, c'est quand vous en cassez un, le lien reste créé et en fait lui cherche à donner l'énergie à celui qui est derrière lui. Et s'il n'y a personne, et ben il en donne à personne. Et donc on va pouvoir utiliser ceci en craft. Et à chaque fois que je veux le craft, il me faut donc un bloc. Ou une Wyvern Core qui me demande donc je sais plus comment ça s'appelle. Une Nether Star. Donc il me faut déjà 9 Nether Stars. Vous voyez, ça commence à être sympa niveau coût. Un bloc de draconium, et ça à chaque fois ça me demande du diamant, de draconium et du gold. C'est ça que j'avais dit qu'il faudrait que je fasse du gold tout à l'heure parce que ça allait vite me servir. Et bah c'est le cas, ça va vite me servir. Là j'ai un peu de gold qui est créé et j'avoue que il va falloir que je rentabilise ça vite fait. Vite off le gold. Hein. Voilà, il va continuer d'embroyer. Et toi, passe en priorité, on s'en fout. Du fer, j'en ai des milliers déjà. Pas beaucoup d'intérêt. Donc, ça c'est bon. Il va nous falloir déjà créer, si on peut, les. Enfin, tous ceux qu'on peut, les. Je sais plus comment ça s'appelle, les Wyvern Core. Qui sont là. Donc, normalement, il nous en reste 4. Donc, on doit pouvoir en fa crafter 4. Voilà. Donc on va pouvoir déjà faire 4 injecteurs. Pendant qu'on fait les injecteurs, on va descendre en bas de la base, comme tout à l'heure, et on va retuer des Wither Boss. Pour justement faire les 5 qui nous manquent. Parce qu'il nous manque 5 Wither Boss pour pouvoir finir les crafts qui sont ici. Et quoique, d'ailleurs, peut-être même plus. Parce que si, lui, il va lui demander... Ouais, 6. Parce que lui, il demande un Wither Core aussi. Donc il faut qu'on tue 6 boss. Pour déjà pouvoir faire le premier item du mode. Ensuite, lui, il faudra à chaque fois tuer un boss de plus pour chacun des outils, si on veut faire les outils. On en fera certainement pour tester, parce que les outils sont quand même vachement cool. Et pour ceux qui n'ont jamais vu le mode et qui savent pas comment les crafter, non seulement c'est un peu tricky, comme j'ai dit au début, mais une fois craftés, ils sont plutôt efficaces, quoi. Je pense que mon marteau il va vite jarter, et pareil, mes épées, que ce soit la Diamond ou la Manilgum, vont vite être remplacées. Alors, on avait dit que on avait ça x4, ça x4, il nous fallait des blocs. Il y en a déjà un là. Donc il nous faut 4 blocs. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, il est là. Des diamants. Plein de diamants. 4, 8, 16, ok. On s'en fout. J'en ai pris qu'un, c'est ça? Super, bien joué moi. Donc pour ça, on va faire des lots de 4 parce qu'en fait vous pouvez empiler les objets sur les trucs de crafting. Ça fait que si vous voulez faire plusieurs crafts d'affilée, vous pouvez. On va voir comment. Mais en gros, si... Alors à chaque fois il faut les prendre dans la main, c'est chiant. Si vous voulez faire ça, vous prenez les 4 qui sont là. Ensuite, toi, t'es tout seul parce que t'étais celui qui était tout seul, parfait.
4 ici, 4 là, 4 là. Et déjà, on pourrait faire 4 Wallcraft si on veut. Sauf qu'on va simplement bouger des places parce qu'il va falloir mettre des injecteurs différents. Ensuite, il me faut les 4 comme ça. Et. Ah, il m'en faut 8 comme ça aussi. Il m'en faut 4 ici. Et vu que j'ai deux fois la compo à utiliser, il m'en faut également encore 4 autres. Alors. C'est du gold qui me manque. Hop, 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 hop. Toi, tu vas là-dedans, c'est bon. Et voilà, j'ai les 4. Je les mets dans ma main pour pouvoir les cliquer droit. Donc à chaque fois, il faut cliquer droit sur l'un des injecteurs vides pour pouvoir la mettre. Alors je vais pas le mettre tout de suite pour vous montrer quelque chose, c'est que si on met un objet de craft ici, qui est compatible au niveau des recettes, on peut mettre chaud ici pour voir toutes les recettes, mais c'est très chiant de faire comme ça, il ne pourra pas démarrer si la recette n'est pas valide. Si je mets ça, cette fois-ci, l'interface a changé parce qu'il trouve l'une de ces recettes valides, et donc on pourra lancer le craft. Lancer le craft va donc me coûter un quart de million d'RF, qui vont être transférés via les rayons, et emmener ici. Donc là, l'énergie va décomposer au niveau matière, enfin, c'est ce que dit le mode, hein, les éléments pour pouvoir les faire fusionner avec l'injecteur. C'est plutôt cool graphiquement à voir. Et donc, il va les faire fusionner, utilisant le reste de l'énergie. Tout ça demande un petit peu de temps et d'énergie. C'est ça qui demande du temps et d'énergie. À partir de là, vous ne consommez plus d'énergie, c'est-à-dire que là, on voit que les rayons ne sont plus en train de consommer, ça demande du temps de craft. Donc au début, de l'énergie pour le craft, et après du temps. Et paf, on a fait le premier. Donc on a fait le premier, on peut le récupérer. Maintenant c'est devenu un éjecteur de tiers Wyvern. Le problème c'est que si on veut faire des compos comme on a vu là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut qu'on ait 8 tiers Wyvern avant de pouvoir faire ce craft. On n'est pas obligé de tous les faire, mais il faut au moins en faire 8. Donc on va déplacer les compos qui sont là à ici. Et remplacer en prenant lui, d'accord. Donc première chose, on peut relancer le craft, sauf qu'on va pas le faire tout de suite car on va prendre déjà deux items conduits, on va prendre deux chests, on va les prendre en iron, ce sera plus pratique. Chest, voilà. Toi, tu dégages, tac. Bon, l'iron chest, c'est un chest entouré de fer, hein. C'est pas non plus rien de bien sorcier. Voilà, c'est bon. Voilà, ça c'est la première chose. Donc là, maintenant, on va pouvoir transférer des items automatiquement pour faire des crafts à la chaîne. C'est pas de l'auto-crafting, mais ça permet de faire des crafts facilement à la chaîne. Quand vous en avez plein à faire et que vous avez à AFK, vous les lancez comme ça. Donc lui, la flèche, elle pointe vers le haut. Mais la flèche là, elle pointe vers le haut aussi, enfin vers l'extérieur. Donc du coup, lui, on veut le changer. On veut qu'il insère. Lui, il extracte tout le temps. Lui, il extracte tout le temps. Et lui, il insère. Ce qui, du coup, si vous avez suivi, fait tac, tac, tac. Donc il prend les compos là et les met là. Donc si j'enlève ça ici, et que je le mets ici, il va directement atterrir ici. Et dès qu'il sera crafté, il va atterrir ici. Sauf que pour l'instant, il ne peut pas être crafté dans le sens où il faut de la redstone pour commencer. C'est-à-dire que le bouton start que j'appuie moi, là, il faudrait pouvoir le faire start avec un objet qui produirait de la redstone. Donc il me semble qu'il y a plusieurs moyens, enfin, il y a plusieurs moyens, plus ou moins esthétiques, mais là, j'aimerais essayer de transférer de la redstone directement sur, sur le bloc ici. Donc pour ça, avec Enderio, on doit pouvoir cohabiter les deux blocs. Donc. Enderio, il y en a un, normalement c'est pour la redstone. Redstone conduit. On va essayer, je n'utilise pas souvent ces trucs là, mais normalement ils sont pas trop buggy. Alors, j'ai dit normalement et pas trop. Donc m'en voulez pas si ça bug un peu. Ça peut arriver. Mais en gros, je peux les faire cohabiter avec ces blocs là. Voilà, normalement je devrais pouvoir les forcer à se connecter ici avec une clé à molette quelconque. Tac, voilà, là il est forcé de se connecter ici. Et donc on va pouvoir le configurer ici. Il output, voilà. Ça, et maintenant il faut qu'on lui input de quelque chose. Donc, on pourrait le faire soit
ici, soit là. On va le mettre là, ce sera le plus pratique. Et maintenant, il nous faut un truc qui fasse office de clock, c'est-à-dire une redstone qui tique tous les temps de temps. Normalement, il y a plein de modes qui font des clocks. Je cherche une dont je me rappelle, parce qu'il faudrait qu'elle soit réglable. Normalement, la redstone clock d'Extra Utilities, elle est réglable. C'est-à-dire qu'on peut régler le temps qu'elle met à chaque fois à clock. C'est-à-dire c'est une impulsion de redstone. Hein. Simplement, une clock, ça envoie une impulsion de redstone tous les temps de temps. Normalement, si je fais ça, il va chercher à envoyer une impulsion tous les temps de temps. Non, ça n'a pas encore start, donc visiblement, ça fonctionne pas. Lui, l'input. Lui, l'output. Est-ce que je mets strong signal, ça suffirait? Alors, normalement, il est censé communiquer sa redstone qu'il y a ici à lui, et lui, ça le ferait start. Parce que normalement, ça marche aussi avec un levier. Je vais essayer avec un levier pour voir si c'est la clock qui déconne ou pas. Mais comme j'ai dit, c'est un peu tricky, la redstone. Ça fonctionne souvent, pas toujours. Stick. Voilà, avec cobble. Il est en PLS quand je fais une recherche, tellement il y a d'items dans ce truc-là. Donc, si je le fais avec un levier, est-ce qu'il va le sentir? Ah, déjà, il veut pas le connecter automatique. Alors, si je fais ça, normalement, ça met une plateforme. Voilà, c'est ça. Ah là, il veut toujours pas, mais même avec une plateforme. Ah, ça a changé, ça. Avant, ça marchait. Et là, ça le retire. D'accord. C'est chiant. Il faudrait que je le mette sur un bloc. Donc, si je fais ça. Bon, je bricole pour l'instant, c'est pas le finish. Mais juste, il faut que je fasse des tests pour savoir pourquoi ça marche pas. Et savoir si je peux le débugger. Donc, normalement, lui, je devrais pouvoir le connecter. Ici. Voilà, connexion forcée. Et si je fais ça? Non. Est-ce qu'il faut que je mette les trucs de la même couleur? C'est-à-dire que lui, insert, extract, il faut qu'il soit en green peut-être. Signal color, green, green. Non. Est-ce que si je la communique directement au bloc qui est en dessous? Et ça va fonctionner. Non. Est-ce que si je le connecte directement dessus, est-ce que ça va fonctionner? Oui. D'accord, donc il lui faut un signal fort. Il lui faut un signal fort et ça fonctionne pas que ce genre de clock. Parce qu'avant, ce que je faisais, en fait, c'était ça. C'est plus simpliste, mais ça fonctionne. On va essayer, voir si ça fonctionne toujours. Peut-être qu'ils ont modifié les signaux de Redstone, c'est possible après, mais... On va vérifier. Simplement, je le mettais dessus et comme il communique dessus, normalement il met son signal de 15 directement dans le bloc. Et je vais remettre ça, l'item conduit, parce que je l'ai enlevé. En extract, always, et en insert. Donc là, lui, normalement, on devrait l'envoyer directement ici. Par contre, il faut que je lui dise always active extract, c'est bon. Et insert. Pourquoi il ne le retire pas? Ah si, c'est bon, il l'a retiré. Juste qu'il a mis du temps. Pas de problème. Donc là, il a fait le craft, il l'a mis là. Donc en gros, si je mets plusieurs injecteurs ici, il devrait pouvoir les faire à la chaîne. C'est un peu le but du truc. Donc là, je vais remettre ça là. Je vais bouger ça. Mettre ça là. Voilà. Et je vais essayer de créer quelques injecteurs de plus si je peux. Pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Même si à la base, c'est pas tellement pour faire des injecteurs qu'on fait du travail à la chaîne. Mais si je mets 4 injecteurs ici, il va les transférer un par un. Ici. Ah, et là, ça fonctionne. Si je mets le bloc de redstone clock directement dessus, que c'est pas de communiquer via le système de redstone, ça fonctionne. Donc il faudrait que je trouve un autre moyen que les tubes de redstone d'Enderio. Visiblement, ils sont pas compatibles. Ça fonctionne pas. Donc, il faudrait que je trouve un autre moyen. Voilà, donc là, j'en ai lancé 4. Maintenant, quand je vais revenir tout à l'heure, il y aura les 4 de fait. Pendant ce temps-là, moi,
Je vais descendre et je vais aller tuer mes 4 Wither Boss. Évidemment, il faut que je prenne la Soul Sand avec. Voilà. Même pas, mais 6 Wither Boss. On les faire pop par 3. Et comme ça, j'aurai suffisamment de stars pour pouvoir finir tout le setup. Donc déjà, on va mettre les 4 comme ça. Les 4 comme ça. Les 4 comme ça. Cette fois-ci, on va se tirer plus loin, hein, parce que... Oh putain, merde le con. Faut que je me dépêche, parce que j'ai pas mis la tête en dernier, là. Non, vite! Je vais mourir! Non, c'est bon, normalement. Là, je suis pas à portée, là. Quand même pris un peu de dégâts. Ok, donc là, c'est bon. Là, j'ai une, deux, trois Ender Perles. Je vais finir par me faire la Night Vision juste pour ça, quoi. Ok, j'ai eu les quatre. J'ai eu les quatre. Donc, on va refaire la même. Paf, paf. Je m'en fous si la torche elle saute. Ah, comme ça, on rentabilise. Pendant qu'on fait le pop des Wizards. En ce moment, ils sont en train de craft mes injecteurs. Et quand je vais remonter, comme ça, tout sera fait. Et je pourrai lancer les derniers. Ok, c'est bon. L'escalier, il n'y en a plus. Bon, après, ça commence à ne plus bouffer de blocs. On arrive vraiment à la distance maximale à laquelle les Wither Boss font des dégâts. Bon, c'est plus propre comme ça. Est-ce qu'il me reste de l'énergie à lui? Il est mi-énergie. Que je peux refaire une petite série, ça m'évitera de descendre dans 5 minutes. Voilà. Là, j'en ai déjà une de deux de plus là. Donc, je la ramasse, elle. Voilà. D'habitude, je fais ça dans l'obsidienne protégée, mais je ferai sûrement le spawner la prochaine fois. L'essentiel, c'est qu'on avance dans le mode pour que vous compreniez. Et je vais essayer de ne pas diffuser le début du mode de Draconic Evolution sur 2 épisodes, parce que c'est assez chiant quand même à comprendre, il y a beaucoup de choses. Et que si je diffuse tout en 2 vidéos, il faudra avoir les 2 vidéos avant de pouvoir commencer. Et c'est forcément plus chiant pour vous si vous faites le mode en même temps que moi. Au moins, toutes les informations sont centralisées, puis en plus vous avez la méthode un peu roumaine, mais la méthode qui marche rapidement. Ok. Ça c'est bon, donc on a ce qu'il faut. J'en ai 11, donc ça veut dire que j'en ai laissé une en bas. On va quand même pas gâcher, on va la récupérer. Où elle est? Bonjour! Donc on a nos 12 Nether Stars, ils vont nous permettre de faire nos 5 derniers injecteurs qu'on n'a pas pu faire. Ça doit être ça normalement. Bon, lui il en est où? Donc là, au niveau des crafts, il doit plus avoir les compos. Voilà. Donc là, il a visé toutes les compos que je vais mis là. Donc il a arrêté de faire les crafts. Il en a fait 2 de plus. Et ici, du coup. Ah, parce que d'accord, il nous montre. Il nous montrait la version violette qui était ici. Ok. Donc maintenant, on peut remplacer 2 de ceux-là. Superbe. Ah oui, j'ai oublié que si on était 2 crans trop haut, ça l'a placé vers le bas. Donc on va se mettre sur le bloc pour être à hauteur. Voilà, que je sois à la bonne hauteur. Et paf, donc là on a 4 injecteurs qui sont déjà faits sur les 8 minimum, mais on va en faire 9, tant qu'à faire. Ensuite ça, on va le transférer ici. Il peut les empiler, je crois. Ouais, il les empile, tout à fait. Il en empile largement assez. Tout s'empile pas, hein. C'est ça qui est des trucs qu'il faudra les faire via le coffre, parce que là, j'aurais pu mettre les 5 directement dedans. Par contre, quand il s'agira de faire des outils d'affilée, on sera bien content d'avoir les coffres, surtout que dites-vous que pour les upgrades, il faut souvent faire des choses à la chaîne. Vous allez voir, Ça peut facilement prendre 10 minutes de craft d'affilée, vous n'avez pas envie d'être à côté et toutes les minutes changer les trucs. C'est beaucoup trop chiant. En vrai, ce setup est plutôt pratique. On va reprendre la clé à molette qu'on a enlevée là. Ok. Ça pour l'instant c'est bon. Et donc on avait besoin de 5 injecteurs de plus. Donc il nous faut 10 diamants. Voilà, il nous faut 10. Il nous faut 10, 10, 10, 10 comme ça.
Là, 5. 5. Ensuite, malheureusement, ça va être très cher. Il nous faut 5 comme ça, qui demandent à chaque fois 4 bleus. Également des Everstars. Voilà, et là j'en ai plus assez. Donc récip, hop, on en crave quelques-uns. Là j'ai plus de diamants, d'accord. Ben voilà, maintenant t'as des diamants. Hop. 4 et 5. Ouh, c'était cher, ou la maman. C'était douloureux. Et c'est tout, hein. Ah non, les diamants, il m'en faut plus que ça. Il me faut 4 fois les diamants. Donc il me faut encore 5 de diamants. Et encore 5 de diamants. Eh bah, ça va être plus cher, hein, le coco. Donc pour une fois, vu qu'on a les 9 injecteurs, on va pouvoir les mettre de façon symétrique. Bien joué à moi de match-click. Donc on va en foutre là, là, là et là. Ensuite, là. La symétrie n'a aucune importance. C'est un défaut mental. C'est de l'autisme profond. Que je me coltine, faut pas s'en occuper, je me sens mieux quand c'est comme ça. Là, il y a tout. Non, il n'y a pas tout, sinon il aurait commencé le craft. Ça veut dire qu'il me manque. Ah, le bloc! Oh, ah, il faut 5 blocs de 9 lingots. Ah, j'avais oublié ça. Bon. Allez, c'est pas grave. Hop, 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 hop. Voilà. Bunny hop, bunny hop. Voilà. Et voilà, les crafts vont se faire d'affilée. Ils vont retomber ici dans ce craft et j'aurais plus qu'à remplacer les blancs par des violets. Pendant ce temps-là, nous, on va préparer le prochain craft qui est donc ceci, où il me faut un dislocateur classique. Je crois qu'il m'en reste un dans mon sac. Au cas où je voulais marquer une position, j'en ai gardé un. Ça, je le marquais puis je pouvais y revenir facilement. Mais du coup. C'était pour une comète dans l'End et j'ai pas trouvé de comète, donc bah, m'a pas servi. Et avec, il me faut des enderperles, donc 3 enderperles. Oh, encore un Wyvern Core. Voilà, donc il me faut 4 draconiques. Allez, boum. Boum les réserves. Bon, les réserves, c'est fait pour ça, c'est fait pour être consommé. Donc le Wyvern Core, c'est bon. Ensuite, vous allez voir, cet item est génial. Il me faut 4 lingots. Voilà. Et 3 enderperles. Voilà, et donc je vais le mettre à la suite. Donc ici. Quand il aura fini, il le mettra directement dedans, comme ça. Il va falloir attendre que ça se termine. Comme je l'ai dit, les crafts peuvent vraiment être longs. Et là, c'est vraiment les premiers tiers des premiers crafts. Hein. C'est-à-dire que. Ça peut vraiment être beaucoup plus terrible, beaucoup plus rapidement. Et de toute façon, il va falloir que je remplace les injecteurs qui sont ici par les injecteurs qui sont en train de se faire ici. Parce qu'il faut un tiers Wyvern. Et donc, à chaque fois, ça demande des tiers pour augmenter en puissance. Et le tiers qui fait vraiment un gouffre niveau énergie, c'est le tiers de l'Awakened Draconium, donc la Draconium éveillée. Avant, on faisait via une explosion et maintenant il faut utiliser beaucoup d'énergie pour la faire. 350 millions d'érèves, je suis même pas sûr qu'on pourra en faire une. Si on peut en faire une, ça serait cool. Si on peut en faire une, ça voudrait dire que 232, on pourra peut-être tout à l'heure. Ça voudrait dire qu'on pourrait faire les premiers outils, ça serait une bonne nouvelle. Parce que les premiers outils qui sont là, bon, ils sont bien en version violette. Ils sont bien, mais ils sont pas fous non plus. Parce que quand on va passer à ça, on pourra passer au premier tiers et surtout des armures, parce qu'on va également crafter. Les armures des Wyverns. Putain, ça va me coûter cher, ça encore. Donc, chaque armure va encore me coûter une Nether Star. Voyez pourquoi il faut faire un spawner à Wither Boss rapidement. Ça, des prochains épisodes, je le ferai. Hein. Je pense pas que j'aurai le temps aujourd'hui. Si j'ai fini Draconium, je ferai ça en premier. Mais je pense pas que j'aurai tout fini comme il faut. On en est à 3. La quatrième va arriver. Donc là, il nous en manque un. Et pour les stuff, on peut les crafter à mano déjà. Comme ça, je pourrais vous montrer les skins. Mais est-ce que je vais avoir assez? Par contre, ça, c'est une bonne question. Il me faut déjà 4 Nether Stars. Et il me faut 16. Oh putain. Il me faut 16 corps plus. Combien ça coûte de corps, ça? La pile. Elle est où la pile? Pipi pipi pile.
Cette vie de 9-20, donc il me faut 20 corps pour avoir le stuff complet. Pas assez de gold. Merci le gold. Blablabla. Ah, des diamants. Le truc ennuyant. Il est temps d'avoir une quarry avec fortune parce que dès que cette quarry est terminée, je commence à mettre des fortunes. Hein. Des fortunes ou des siltas, peu importe. Mais en tout cas, éviter de miner sans enchantement parce que ça commence à être un petit peu pas assez rentable en termes de vitesse. J'ai pas envie d'attendre pendant les épisodes que les diamants arrivent de la quarry. Donc ça c'est bon les 20, avec ça il faut que je crafte 4 fois déjà. C'est bon, j'ai assez. Et ensuite, il faut que je crafte 4 fois le petit truc d'énergie. Voilà, donc ça c'est bon. Et ensuite, du coup, il va falloir que je fasse les stuff. Donc le helm, déjà, se fait avec un diamond helmet. À chaque fois, c'est du diamant amélioré en fait. Ensuite, je vais tous les faire, ça ira plus vite. Il m'en reste au moins du diamant là. Oui, plein. Il me faut un torse. Même si le torse, pour l'instant, je ne le porterai pas parce que j'ai mon jetpack. Mais techniquement, il me faut un torse. Ensuite, des jambes. Et des pieds, hein, c'est tout ce qui me manque. Voilà. Donc là, j'ai les 4 stuff. Et après, on fait toujours la même chose. C'est-à-dire que normalement, c'est sur les côtés, c'est ça? C'est ça. On prend du draconium. On en fout partout sur les côtés là. Au-dessus, on met le truc de puissance, là, le Wyvern Core. En dessous, on met la pile et on améliore le diamant comme ça. Diamant amélioré. Voilà, le torse en diamant amélioré en draconium. Draconium et draconium. Donc là, on a le full stuff draconium qui est plutôt stylé à porter. Bah, quand même vous le montrer histoire que vous voyez le skin. Hop 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 hop. Donc il demande de l'énergie, on voit j'ai 250 000 RF qui viennent d'être puisés de ma pile ici, qui d'ailleurs a pris très cher. Ah oui, ce qui est en train de le charger en permanence. Et qui est en train de prendre très très cher parce que dans chaque stuff, il y a 4 millions. Donc en gros là je vais la vider complète ma pile. Donc pour ça va falloir qu'on fasse un petit truc, vous verrez, pour les charger plus vite les stuff, parce que pour l'instant là je suis en train de défoncer ma pile pour rien. D'ailleurs je vais l'enlever parce qu'elle, elle va mettre une heure à se charger, contrairement à la décharge. Ah d'ailleurs elle est déjà déchargée, super. Et niveau skin, comme je disais, c'est plutôt cool. Voilà, le stuff du tueur de dragon, le draconium stuff, plutôt cool. Ok, et on pourra l'améliorer plus tard, il sera encore plus cool. Et par contre, il va changer de couleur quand il sera comme ça. Donc là, j'en ai fait 4. Et maintenant, il y a le dislocateur qui est là. Ah ouais, c'est en fait, lui, il s'update mal, hein, c'est pour ça. Tiens, il reste du stuff là-dessus. J'ai fait assez d'injecteurs, non? Ah non, le cinquième il est là, parce que je l'ai pas encore pris le cinquième. Donc il faut que toi je te prenne, je te transfère ici et je fasse le dernier. Donc le dislocateur, désolé, tu vas attendre. Autant tous les faire, ça sera fait. Donc qu'est-ce que je cherche à faire ici? C'est un truc de TP, mais contrairement à celui-là qui s'use à chaque fois que je l'utilise, on voit que là il a. Il lui reste 14 used avant d'être cassé. Si je l'utilise, je vais TP normalement à côté de mon ordinateur, c'est là que je l'ai mis. Voilà. Du coup, maintenant, il lui reste 13. Et bah, lui, il n'a qu'une coordonnée où il peut TP et à chaque fois, il prend 1 de durabilité quand on l'utilise. Et bah là, je vais créer un autre truc. Vas-y. Qui lui, par contre, n'utilise pas de durabilité mais utilise une enderperle par TP. Donc, à chaque fois que vous voulez TP quelque part avec cet item, vous utilisez une enderperle. C'est plutôt cool quand vous avez une ferme à Enderpearl, franchement ça se passe bien. Donc maintenant on va remplacer. Ah oui, j'ai oublié que j'étais trop bas. Faut que je monte sur un truc. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir le créer. Et en faisant une Enderpearl, donc on va taper quelque part. Et ça c'est plutôt cool niveau rentabilité. Voilà. Bon, ceux-là, je vais sûrement les upgrade hors ligne pour en refaire. Parce qu'après, je vais devoir upgrade ceux-là. En gros, je veux upgrade ceux-là en tier 3.
la clone Raconium. Et comme il faudra les injecteurs, sûrement que je vais utiliser les injecteurs de l'autre pour pouvoir les faire à la chaîne. Comme ça, genre, j'ai AFK à manger 30 minutes, ils seront tous faits, c'est plutôt cool, YOLO, super. Donc, on fait la compo. La compo, on avait dit que c'était les 4 draconium ingots. Voilà. Les 3 perles. Là, là et là. Peu importe, c'est toujours de la symétrie, même problème que tout à l'heure. Et ça. Voilà, le craft commence. Là, il est toujours pas update, c'est-à-dire quand je vais cliquer, ça sera pas un injecteur. Voilà. Ce que je dis, il s'update mal ce bloc-là en fait. Le truc graphique, quand c'est pris par des automatismes avec des pipes et tout, ça s'update mal graphiquement. C'est pas grave. C'est qu'un bug graphique, ça n'a pas d'incidence sur le craft. Allez, la puissance. Et bim! Voilà, on a notre beau Advance Dislocator qui pour l'instant a zéro de fuel, donc ne fonctionne pas et n'a pas d'endroit où il est lié. Donc pour lier quelque chose déjà, vous mettez quelque part, la direction dans laquelle vous regardez est importante, c'est-à-dire que si je me lie comme ça, à chaque fois que je TP, je vais TP comme ça. Donc moi généralement je me mets devant mon ordi à deux blocs, comme ça, et je regarde l'ordi quand je clique, et là vous faites Add New, et là vous mettez Home. Je mets home pour des raisons évidentes, mais vous mettez bien ce que vous voulez en vrai, on s'en fout. J'appuie deux fois sur le bouton, je suis trompé. Ah non, c'est juste qu'il l'a mal créé. D'accord. Donc on va en remove un. Ensuite, on le lock pour éviter qu'il change. Donc ce home sera toujours ici. Et si je veux l'utiliser, il va m'envoyer sur le menu parce qu'il me dit out of fu, parce qu'il y a des trucs qui bloquent. Mais en gros, il me dit il n'y a pas de carburant. Le carburant, on a dit que c'était les Ender Pearl. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas mon jetpack là, je suis avec le truc. Voilà. Et donc, ça marche avec des Ender Pearl, on a dit. Donc, ce qu'on va faire, on va en transférer là. Et vous allez voir dans mon inventaire. À chaque fois que j'appuie sur Add Fuel, il y a une Ender Pearl là tout en bas, là, ici, dans la case qu'on voit en dessous le 21, qui baise. Elle fait 14, 13, 12, 11, 10. Voilà. Donc là, je consomme une perle à chaque fois et ça m'ajoute un TP. Voilà, j'ai consommé le stack de 16. Sauf que si vous shiftez et que vous le faites, vous les mettez par stack. Donc du coup, là, j'en mets 16 d'un coup à chaque fois. Donc là, je peux TP déjà 256 fois grâce aux Ender Pearl. Là, je vais refaire la même. Merde, je clique au même endroit. Donc 255 du coup. Shift-click, add fuel. Voilà. Donc là, je peux TP quasiment 500 fois avec mon truc. Il suffit de configurer les endroits où je veux me mettre et à chaque fois, je rajoute une ligne en fait. Par exemple, imaginons on veut y aller dans le Nether. On va prendre notre ancien ATP du Nether, qui fonctionne toujours. Les chargements, c'est douloureux. Et on va pointer en direction de là où on veut aller à chaque fois en priorité. Donc on sait qu'on va se diriger par là souvent. Tac, on met Add New. Nether. Commit. On lock. Le lock, c'est obligatoire, c'est pour éviter de changer les coordonnées par erreur. Et maintenant, en fait, quand on clique gauche, ça change la coordonnée dans ce moment. C'est-à-dire, quand on fait clic gauche, on voit que c'est linké à Nether ici, là. Vous voyez, on le voit vite fait. Et si je shift molette, je change les positions par rapport à celles qui sont présentes dans mon truc. Donc, je change de home à Nether. Donc, si je fais home, clac, retourne à la maison. Et je peux faire un shift molette et Nether. Si je clique tout juste, bah ça va juste m'envoyer à l'actuel. Mais on peut changer les destinations comme ça. Ou alors avec un clic gauche. Donc on va mettre également, par exemple, notre cher End. Et là déjà, on pourra aller dans 3 des 4 dimensions, comme ça, avec notre truc, juste au coût de une Ender Pearl par TP. Donc, par exemple, on va faire ça. Tac. Add New. End. Commit, lock, et on rentre à la maison. Cliquez droit, c'est TP directement à la destination. Il ne me restera plus que ma quarry. Et ce qui est bien avec ça, c'est que quand vous placez une quarry loin de chez vous, dans un endroit où vous n'avez pas forcément
vous rappeler ou mettre un TP à côté, bah, vous pouvez mettre le TP de ça, et quand vous voulez aller voir votre query, vous cliquez, et hop, ça emmène directement à la query. Donc là, c'est déjà un des premiers stuff super claqués qu'on fait avec, avec ce mode. Ensuite, il y a deux trucs qu'on va jeter, enfin qu'on va mettre ici. C'est ça, 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 parce que maintenant, on s'en sert plus. On va servir de la version Wyvern. Et Wyvern Core, pour l'instant, je vais mettre là parce que je m'en sers pas. Donc, je suis full Wyvern, sauf le jetpack, parce que pour l'instant, je peux pas voler si j'ai pas le jetpack. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'il faut qu'on charge ces items. Pour les charger, dans Draconic Evolution, vu que tout est énorme niveau énergie, ils ont créé un truc qui est très rapide, qui s'appelle l'énergie Infuser. Ça se fait avec un enchantement table. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait l'enchantement dans le serveur, c'est quand même moche. Voilà. Hop, une table d'enchantement. Il manque les corps, forcément, évidemment. Voilà, et il manque également le truc du dessus qui est un Energy Core stabilisateur. D'accord. Hop. Donc ça, et on l'améliore avec 4 diamants. Ça me coûte encore du diamant. Ah oui, ça m'a coûté un corps aussi, forcément. Tac, tac. Voilà, on a tout. Et imaginons que je veuille le placer près de mes trucs à énergie là-bas. Voilà. Après, là, je l'ai mis un peu dedans, c'est moche. Voilà, on va dire qu'on veut le placer là pour qu'il soit près de la pile. On pourra le changer plus tard, on s'en fout, mais en vrai. Je le mets souvent près de la pile pour voir l'énergie qui me reste, en fait. C'est plus pratique. Et on va prendre l'un des liens, des trucs de liens. On va shift-click sur la sortie. Je l'ai eu là ou pas? Non, je suis trop bas. Elle est over mode. C'est bon. Et on va le connecter à un autre cristal qu'on va mettre ici. J'en ai plus. Il faut que j'en fabrique un en cassant un en deux. Voilà, toi on va te ranger. Donc on le connecte sur le côté là. Là c'est dans la structure. Bon, pourquoi pas, hein, peu importe. Et on le met en output. Voilà, on le connecte au truc qui est là-haut. Et voilà, il va commencer à le charger en énergie. Bon, lui, il contient un buffer assez important, il me semble, mais surtout, il charge les items beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que si je prends ça, comme ils ont des limites de charge très hautes, voilà, je l'ai chargé instant. Là, il vient de prendre 4 millions. 4 millions, 4 millions. Voilà, je viens de dépenser 12 millions dans ma pile. Voilà. La rapidité à laquelle on peut bouffer l'énergie avec ce mode. Mais du coup, ils sont full chargés. Et un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que tout là-bas, en bas à gauche, il y a un truc avec marqué 153 et RF 12 millions. Donc ça, c'est mon énergie dans ce moment. 153, c'est un shield, un bouclier. Comme dans beaucoup de jeux, il y a des boucliers qui protègent des dégâts. Bah, là, il y a aussi un shield. Et ce shield descend quand on prend des coups. Et surtout, il y a EN. L'énergie, c'est une surchauffe. C'est-à-dire que plus on se fait taper, plus le bouclier devient chauffe, en fait. Le générateur de bouclier chauffe. Et plus il chauffe, plus il consomme de l'énergie. Donc en gros, plus le EN monte, plus pour régénérer votre bouclier, ça vous coûte cher. Donc je vais essayer de trouver un mob qui puisse me taper, mais ici, à mon avis, il n'y en aura pas beaucoup. Je sais plutôt où on va aller. On va aller voir les petits agresseurs de l'End. Toi, on va te regarder dans les yeux. Et toi, là. Et quand il me tape, on voit que ça me coûte des points de bouclier. Voilà. Et l'énergie monte. Au fur et à mesure où l'énergie monte, forcément, ça me coûte de plus en plus cher de régénérer mes points. On voit que ça monte à chaque fois. Là, je suis à pratiquement 50 000 pour un coup. Mais du coup, par contre, pour l'instant, on ne voit pas de dégâts. Et on voit l'énergie, là, en fait, la barre de chauffe, elle monte. Si, on va regarder un autre. Tiens, toi, là. Pour te faire agresser par plusieurs mecs. Si ça monte trop, mon bouclier va commencer à disparaître. Mais pour l'instant, je ne prends pas de dégâts, en fait. Mes cœurs ne descendent pas. Parce qu'en fait, c'est mon bouclier qui absorbe les dégâts. Et tant que la surchauffe est pas trop haute, en fait, ça me rend invulnérable aux dégâts. Certains dégâts peuvent vous tuer, mais c'est les dégâts du chaos principalement. Et les dégâts du chaos sont faits par le dragon du chaos. Mais sinon, le reste, ça transperce pas l'armure. Et du coup, j'ai une résistance totale tant que j'ai des points d'énergie à tout dégât. Bon, le bruit est pas très agréable par contre. Mais on voit que là, mon bouclier commence à faiblir. Il commence à chauffer beaucoup, beaucoup.
Et chaque coup commence à m'enlever de plus en plus de boucliers. C'est-à-dire que là, il commence à me taper, il met à 148 à chaque fois. Et ça a du mal à remonter. Et c'est exponentiel. Plus je vais monter haut en température, plus ça va commencer à coûter cher. Là, ça commence à me coûter pratiquement 100 000 points d'énergie à chaque fois que je me fais taper. Mais c'est une armure qui me rend quasiment invulnérable. Et du coup, là, je descends en énergie. Là, je suis à 139 de bouclier, 140, 121. Voilà, là, je vais commencer à prendre des dégâts. C'est-à-dire que quand mon bouclier va casser, je vais devenir une armure standard. Une armure en diamant classique. Et donc, je vais commencer à devoir me défendre. Voilà, là, je prends des dégâts. Tout simplement. Et là, du coup, je m'arrache. Hop, salut. Voilà comment marche le bouclier de ce mode-là. Pratiquement rien ne le traverse. Certains modes qui sont codés un peu bizarrement traversent. Les dégâts du dragon du chaos sont faits pour traverser. Mais en tout cas, ça vous rend quasiment vulnérable. Et par contre, le fait que je sois en surchauffe fait que je consomme plus d'énergie pour remonter mon bouclier. Non seulement il remonte moins vite, mais en plus, il coûte plus cher à remonter. Là, j'ai pratiquement consommé 800 000 points d'énergie juste pour remonter mon bouclier. Enfin, pour ce que je viens de me faire taper, quoi. Mais bon, pour les mobs normaux, en tout cas, et tout ce qui n'est pas magique, parce qu'il y a beaucoup de magie qui traverse, c'est volontaire que la magie traverse. Pour tout ce qui n'est pas magique, franchement, vous êtes bien invulnérable, quoi. Tranquillement, quoi. Du coup, lui, j'aurais pouvoir le mettre là-dedans, maintenant. Même s'il ne chargera pas si vite que ça. Il va quand même se charger assez vite. Voilà. La limite de charge, elle est indiquée là. Hein. C'est-à-dire que lui, il ne peut charger qu'à 2000 maximum parce que c'est un tiers 2, c'est un Ardenen. Il ne peut pas charger non plus beaucoup plus vite. Maintenant, je vais regarder si j'ai la possibilité de faire des boss Wither résistants. Des blocs. Je sais qu'il y a ça, mais c'est trop cher pour l'instant. Qu'est-ce qui pourrait être Wither résistant? Lens d'élite, pareil, je pourrais pas en avoir facilement. Après, je sais que dans Draconic Evolution, il y en a. Et sinon, il y a le Dark Steel d'Underio, mais c'est assez cher à produire, en fait. Ça demande beaucoup d'obsidienne, et ça... Il faut vraiment que j'ai cherché de la lave dans le Nether. Ça fait quand même trois fois que je l'ai dit dans l'épisode. Les blocs qui résistent au Wither, pour que quand il explose, ça explose pas toute ma base, sont... non, pas ceux-là. Ça y ressemble, ils ont le même skin, mais c'est pas ceux-là. Alors je regarde, parce que je connais plus le nom. C'est celui-là. Le Draconium Infuse Obsidienne, c'est une obsidienne qui est infusée avec des Blessed Powder et du Draconium Dust, à la particularité de résister aux explosions du Nether, du boss, et c'est fait pour. C'est pour pouvoir faire des spawners, justement. Donc c'est vu qu'il me reste... il me reste au moins 45 minutes. On va faire le spawner. On va faire le spawner de Wither Boss. Et pour ça, il va falloir déjà qu'on produise pas mal de ces choses. Pour ça, il va me falloir pas mal de Blessed Powder. Ce qui veut dire qu'on va sortir notre Pokéball de type Blaze. C'est celui-là. Toi, va te ranger. Toi aussi. Toi, on s'en fout. Toi, on s'en fout. Pour l'instant, j'en ai pas besoin de toi. Toi non plus. Voilà. Alors. Un spawner à Wither, il y a plusieurs solutions, mais étant donné qu'on a Refine Storage et qu'on a des blocs résistants aux explosions, on va pas s'emmerder, on va les faire avec Refine Storage. Vous allez voir que c'est assez simple comme spawner à faire. Le plus dur, en fait, ça va être de créer les blocs qui nous permettent de résister aux explosions, plus que l'autre chose. Alors, le Drum Essence, malheureusement, j'ai l'interface qui me bloque. Alors, comment on pourrait changer les trucs de l'interface? Je sais plus. Contrôle, Draconic Evolution... Air bracket, c'est quoi air bracket déjà? On va dire que je vais le changer en ça. Non, en ça. Ok. Donc quand on appuie sur slash, on peut bouger les choses. HUD. Et donc toi, on va te bouger un peu parce que tu es un peu sur le chat quand même. Voilà. Et le HUD display des options de ça, normalement, c'est pour les outils. On va te foutre ici. Voilà, le scale un peu plus gros peut-être parce que je suis un peu bigleux moi comme garçon. Lâche tout ça.
Voilà, comme ça on aura les infos bien grosses et ça couvre plus le chat. Parce que dans le chat on voyait que c'est l'essence que j'ai fait 456 000 d'essence avec le spawner qui est ici, ce qui est une bonne chose. Je pourrais lui mettre un muffler pour qu'ils évitent de gueuler toute la journée et que je les entende, ça pourrait être pas mal. Sound, muffler. Quand vous faites un spawner et que vous n'avez pas envie d'entendre les mobs en train de faire toute la journée, vous faites ça. Et dans une certaine zone autour, genre 8 ou 16 blocs, ça étouffe les bruits de 90%. Et donc ça évite d'entendre les mobs qui font les sales bruits. Donc genre je vais le mettre en dessous le spawner. Et voilà. Même quand je ferme la trappe, maintenant vous écoutez. C'est un peu étouffé. La porte, je pense qu'elle est assez près pour être totalement étouffée. Voilà. La porte, elle est assez près du sound muffler pour être totalement étouffée. Donc elle fait plus de bruit. Et là, les mobs qui se font tuer là-bas, ils se font tuer en silence. Enfin presque 90%. Donc on les entend à peine. Sound muffler est une bénédiction. Vous devez toujours en avoir si ça vous gonfle. On va changer la Pokéball présente. Bah, je crois qu'on l'a même pas d'ailleurs. Dans le spawner de Industrial Foregoing, on va mettre le Blaze. Active OS Restraint Signal. Est-ce que je peux pas l'activer comme ça? Voilà. Donc là, il va commencer à en spawner. Et comme ça, vu que j'aurai besoin de Blaze Powder, ça va atterrir ici. Là, il est surtout en train de m'en faire tout plein. Il me semble qu'avec ça, je peux en obtenir aussi. Oui, je vais prendre ça, faire ça, ça, ça. Voilà, j'en ai eu pas mal et on verra tout à l'heure ce qu'on aura récupéré en plus. Je vais broyer ça dans le pulvériseur pour avoir le maximum de proc. Allez, belly jump, belly jump. J'ai enlevé le hover. Belly jump. Voilà. Et dans le pulvériseur, je vais te prioriser parce que. Pas dire que broyer le gravier, ce soit le truc qui soit le plus prioritaire de l'année. Hein. Ensuite, j'avais dit qu'il me fallait de l'obsidienne. Pour avoir de l'obsidienne, il va me falloir de la lave. Pour avoir de la lave, il va me falloir aller dans le nether avec une pompe qui ne ruine pas le nether, parce que sinon c'est sale. Normalement, c'est open block. Non, c'est ranged pump. Oui, mon minou, oui, couché. Cette pompe, quand elle mine un bloc de lave, qu'elle la récupère, elle le remplace par un bloc de stone. Ce qui est assez pratique, ça évite les écoulements de lave dégueulasses qui se produisent dans le nether qui, si vous ne le savez pas, provoquent beaucoup, 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 beaucoup de lag. Qui peut même faire planter potentiellement un serveur, pour vous dire. Donc il faut éviter de viser n'importe quelle pompe dans le nether. Si votre serveur lag et que vous voyez un gland qui s'amuse à pomper avec une pompe normale dans le nether, engueulez-le et régénérez les chunks qu'il a ruinés parce que c'est quasiment impossible à réparer sinon. C'est la joie. Hein. Il me faut deux seaux. Il me faut un de lave, un d'eau. Celui de lave, normalement ça c'est vide. Oui, c'est vide toujours, comme la dernière fois. Donc, je vais aller prendre dans la machine qu'il y a là-haut. Hop. C'est bon, il en reste assez. Pouh, tout juste. Hein. Je crois que j'allais devoir claquer des jusqu'à dans le nether. Enfin, j'aurais pu TP, mais juste pour un seau de lave. J'aurais été la tristitude. Donc cette pompe prend de l'énergie. Alors on peut soit utiliser un ce qu'il y a là. Je vais peut-être le faire pour vous montrer parce que c'est assez intéressant à faire. Soit utiliser simplement un flux spawn quand vous avez plein d'énergie chez vous. Mais sinon en début de game on utilise une magmatique dynamo pour pouvoir faire un cycle. Et après il nous faudra donc quelque chose pour transférer la lave chez nous. Qui sera donc un ender tank. Il est là. Donc ça, on verra après. On va déjà crafter la pompe. Donc la pompe, on avait dit que c'était de l'eau et de la lave ici, et c'est réglé. La pompe, on l'a, c'est ok. Ensuite, il me faudra quand même un seau, ça c'est sûr, parce que j'aurai besoin d'amorcer le système, on verra bien. Et on avait dit qu'il nous fallait donc deux Ender Tanks. Il nous manque pour ça deux Cauldrons, parce que j'en fais jamais. Je vais en faire un stack, comme ça je ne demanderai plus. Et de la wool. Je dois plus en avoir beaucoup. À savoir que j'ai des moutons dans une Pokéball. Alors si je manque de wool, au pire, je vais broyer quelques moutons. Coco, chicken. Je sais plus, mais en tout cas, normalement, j'en ai. J'avais réussi à en trouver une. Sheep, dans des montagnes perdues. J'ai mis 30 ans à trouver un mouton, quoi, alors que c'est vraiment un truc de base. Ah, il en faut deux. Qu'il est con. Il en faut deux, donc il faut deux laines. Voilà. Comment marche le tank? On va l'expliquer vite fait. C'est un tank qui a des couleurs.
Imaginons que dans les couleurs, je veuille utiliser une autre couleur. Donc on va prendre du bleu, tiens. En gros, quand on y met du liquide, donc pour ça, il me faut un seau. Quand on met du liquide, ils partagent leur contenu. C'est-à-dire que l'eau qui est ici, elle est également là. Donc si je la prends là, elle disparaît d'ici. C'est comme un chest. Je sais plus comment ça s'appelle. Un Ender Chest Vanilla, mais en mieux fait, quoi. Et c'est pour les liquides. Donc là, c'est pratique parce qu'on a pu. Ah ouais, bah du coup, ça marchera pas, c'est vrai. J'ai complètement zappé ce truc. C'est qu'on peut pas remettre l'eau dans ce truc-là. La dernière fois, déjà, ça me l'avait fait. Hop, voilà, il faut un bloc solide. Donc, vu qu'ils partagent leur contenu, c'est assez pratique. Mais le problème, c'est que si vous en avez plusieurs pour plusieurs liquides, ce que vous pouvez faire, vous pouvez leur donner un code couleur. Par exemple, là, on voit qu'il y a des couleurs, c'est blanc, blanc, blanc. Donc, imaginons que je veux blanc, blanc, bleu. Maintenant, l'eau qu'il y a là-dedans, elle n'est pas là-dedans. Parce que celui-là, il est blanc, blanc, blanc. Par contre, si je le colore en bleu, ça devient le même. Et vu que c'est le même, ils partagent leur contenu. Voilà comment ça marche. Toi, on va te foutre là. Toujours avoir un seau d'eau sur soi, ça peut toujours servir. Et il me faut un seau normal pour amorcer. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut. J'ai des câbles qui traînent dans. Oh, comment ça s'appelle? Dans mon inventaire, donc j'ai tout ce qu'il faut. C'est en obsidienne, donc c'est long à miner. Voilà. 1, 2, 3. Voilà, que ce soit pas trop sombre. Ok, donc maintenant on va dans le Nether grâce à notre petit TP. Super, j'ai oublié de configurer. Nether. Ok. Donc là, on va se faire une petite pompe et comme ça, on va prendre cette lave et on va en faire de l'obsidienne. Donc pour ça, on va avoir besoin de chunk load un chunk, de le faire dans le même chunk, c'est important. C'est normal, s'auto-chunk pas tout seul. Il faut se mettre au niveau de la lave. Donc par exemple, si on veut le faire ici, il faut se mettre au niveau de la lave, c'est-à-dire là, ça c'est le niveau de la lave. Si je le mets sur ce bloc-là ou plus haut, ça fonctionnera pas. Faut être vraiment être au niveau de la lave. Ensuite, au niveau des chunks, on fait F9. On voit être dans un chunk entier, donc ça sera ici. Vous n'êtes pas obligé de le coller à la lave, hein, c'est pas grave. Hop, donc on va le foutre là. Hop. Et donc pour fonctionner, il a besoin d'énergie. Pour avoir besoin d'énergie, il nous faut Magmatic Dynamo. Voilà, qui marche à la lave. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est prendre un seau de lave, le mettre dedans, et là ça a amorcé le truc, c'est-à-dire que là la magie dynamo est déjà en train de produire de l'énergie. Donc la pompe techniquement elle est en train d'avoir de l'énergie. Elle fonctionne pas parce que cette version-là visiblement a besoin d'un levier. Sinon il y aurait déjà de la lave dans son conteneur. Normalement. Je vais regarder à mettre un levier pour voir si c'est ça. Parce que vous voyez son tank là en haut, il indique qu'il est vide. Qu'il soit vide avec ça de lave, ça m'étonne un peu quand même. Il est toujours vide. Après, il check autour de lui, c'est-à-dire que pour l'instant, il check dans ce chunk, et dans ce chunk, c'est vrai qu'il y a de la lave que ici. Donc, on va voir. En tout cas, pendant ce temps-là, nous, on va prendre des tuyaux. On va prendre les précieuses parce qu'on en a. Voilà. Et on va faire un cycle. Il faut savoir que normalement les pressures, ils fonctionnent par portée, c'est-à-dire qu'ils mettent leur contenu dans ce qu'il y a le plus proche. Donc vu que la lave va sortir d'ici, elle ira en premier ici, et quand ça sera plein, elle ira ici. Et ici, nous, on va mettre notre chère petite Under Tank blanc, blanc, bleu. Voilà. Ensuite, on va chunk load la zone. Pour ça, il faut aller dans le système de chunk load. Tac. Voilà, là il est chunk load. Et donc on va lui demander de extract tout le temps. On va lui demander d'insérer. On va lui demander d'insérer. Voilà, donc la lave fera comme ça, puis après elle ira ici. Donc elle va se remplir un undertank qui est ici. Et l'undertank, vu qu'il sera chez moi également, je vais pouvoir prendre la lave qui est faite ici directement chez moi via les tuyaux. Voilà un petit setup simple. En vrai, ici, d'habitude, quand on est early game, on utilise ça, un iron drum. Ça se fait en fer, c'est pas très compliqué à faire, hein, ça demande genre 30 et quelques de fer. Et ça contient, il me semble, 2 millions. 2 millions de mini buckets de lave, donc ça fait déjà 2000 seaux.
demi-saut de lave, c'est correct pour un début de game. J'ai pas l'impression qu'avec le levier ça marche. Donc ce que je vais faire, je vais l'enlever. Je sens que le levier ça le coupe. On va attendre juste de voir si à un moment il se remplit quand même, parce que ça dirait que ça marche. Ah, il scanne, donc c'est bon. Quand on clique droit dessus, il nous indique. J'aurais juste dû cliquer droit, ça aurait suffi. Donc visiblement, le levier l'a arrêté. Il est en train de scanner à 238, 20, 37. 238, 20, 37. Il est où le 238? C'est par là. Il est en train de scanner par ici. Non, c'est par ici, 238. D'accord, il est en train de scanner ici. 238. Il est en train de scanner encore dans le bloc où il n'y a rien. C'est-à-dire que là, il est en train de scanner là où je suis, là. Donc il en trouvera, mais il trouvera que ici. Et là, il est à 237. 15,35. Ah oui, là, il va dans le mauvais sens en plus, donc il va mettre vraiment une heure, quoi. Super. Donc ce que je vais faire, je vais changer mon truc de nether pour ici. Donc ici, et je clique dessus, j'enlève le cadenas. J'ai dit j'enlève le cadenas, s'il te plaît. Voilà. On met 7 IR, et comme ça change ce TP-là de nether à ici. Je vais revenir dans 5 minutes et voir s'il a fonctionné. En attendant, je vais configurer déjà ce qu'il faut pour dépenser la lave. Et pour ça, il va falloir ça, Nilius Extruder et de l'eau. Donc je vais sûrement le foutre là. Ce qui veut dire qu'il me faut un autre Igneous. Normalement, dans Thermal, on peut les upgrade ceux-là. On va déjà faire l'Igneous. Bon, je suppose qu'il va me manquer, ouais, voilà, à peu près tout. Il manque la machine frame qui se fait avec un Tin Gear. Il me faut du fer. Voilà. Tac, tac. Ça c'est fait. Ensuite, il me faut des roues en cuivre. Pareil, on va créer un peu plus, ça sera fait. Il me faut un contacteur en or. Et c'est tout bon. On va le placer déjà ici. Est-ce que je le placerai pas là par contre? J'aurai besoin d'un petit peu de place pour mettre les outils, des trucs. Je réfléchis à comment je vais le faire, mais ouais. Donc si je le mets là, je devrais pouvoir prendre de la lave depuis ici. Donc lui, quand il commencera à avoir de la lave, on pourra lui prendre. On va lui prendre avec un tuyau, comme tout à l'heure. Donc, ils sont là. Où sont passés les tuyaux? Les tuyaux. extract toujours. Donc dès qu'il y aura de la lave, il va l'envoyer ici. Et il va donc faire de l'obsidienne. Ça, c'est fait. Ça, on va en faire une entrée. Donc ça, c'est la couleur, rappelez-vous, hein. La couleur des entrées, tout ça. Ah, j'ai un auto-input pour le liquide. Oh non, c'est pas possible, ça marchera pas, ça. J'ai même pas envie d'essayer, quoi. Ensuite, faut faire venir de l'eau. Voilà. Voilà. J'ai envie d'être choumé là, c'est terrible. Non, c'est bon. Presque. Ok, donc là on a l'eau qui va arriver. Dès que la lave sera ok, ça sera bon. Donc, ensuite, il va falloir lui faire des upgrades. Déjà pour les upgrades, il faudrait faire ça de thermal. Donc là il est de base. Donc déjà il faut faire celle-ci d'upgrade. Qui demande du bronze. Ouais, du bronze c'est ok. Hop, c'est fait. Premier upgrade, c'est plié. Ensuite, deuxième upgrade, ça demande de l'électrum et ouais, il faudra de la glace à la con et un silver gear. Donc, une roue en argent. Ah, et je manque de fuse quartz. Donc le fuse quartz, on prend 3 stacks. Hop. On le met en alloy only. Paf, paf, paf. Allez, vas-y, t'en auras dans 2 minutes. Même pas 2 minutes.
Allez. Pour moi ton truc là. Et j'ai vu qu'on pouvait les upgrade eux encore. C'est nouveau. Avant ça n'existait pas, mais il y a une version upgrade de l'alloy smelter et de toutes les machines d'Anerio. On verra ça pareil un prochain épisode. C'est pas prioritaire. Ça augmentera un peu la vitesse de mon setup, mais il y a d'autres trucs à faire, on va dire. Voilà, là j'ai le tier 2. Le tier 3 demande du signalium qui demande à être fait dans l'alloy smelter avec du copper, du silver et de la redstone. Normalement, j'en ai déjà du signalium. Ce qui va me manquer, ça sera le truc bleu. Et je pourrais pas en avoir d'ailleurs du cryothéum. Ça va demander du bliss power et malheureusement, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé des blitz, j'ai trouvé du basalte, mais j'ai pas trouvé des blizz. Donc je pourrais pas faire cet upgrade, je préfère que celle-là. Normalement, si je les mets les deux ensemble, ça fait directement du tier 1 au tier 3. Voilà, donc là il est tier 3. Ok, donc normalement il a des augmentes. Donc on devrait pouvoir mettre deux augmentations dans ce truc-là. On va regarder, mais normalement il y en a certaines qui sont spécialisées dans l'igneous extrudeur. Pour la création de lave. Donc ça évite de consommer l'eau. Sedimentary rock, non je m'en fous. Et c'est tout, apparemment il n'y a que deux upgrades possibles dans New Fate Trader. Donc visiblement ça a changé, parce qu'avant il n'y avait plus que ça quand même. On va faire celle-là pour éviter de consommer l'eau. Bah non on peut pas parce qu'il faut de la cryothéum, donc c'est mort. Et donc on va faire juste du speed, hein, parce qu'il n'y a que celle-là qu'on peut faire. Qui demande de l'or et de l'or. Voilà. Non, ça c'est pas les bonnes upgrades. Voilà, bon, on a vu que la consommation d'énergie a drastiquement changé. Mais c'est tout bon. Et on va pouvoir commencer. Ah, il a commencé à faire de l'obsidienne, ça veut dire qu'il a dû se remplir un petit peu de lave, lui. Donc la machine a dû commencer à faire son taf. Voilà. Et est-ce que je pourrais pas y prendre directement les compos? Si. Donc il me faudrait un port. Super, porti. Qui soit de... Non, pas ce mode-là. Celui-là. Importeur de chez Refine Storage. Et est-ce que j'ai des caps sur moi? J'en ai 6, ça devrait suffire. Alors on va importer ce qui sort de là-dedans pour l'envoyer dans l'ordi. Voilà. Bien joué. Et je crois qu'il faut le configurer en neutre. Donc du coup, il faut que je le configure comme ça. Quoique, apparemment, ça a marché comme ça. Ah, l'auto-input, il est grisé. Il est grisé, il est unavailable, c'est ça. Je me disais, c'est bizarre qu'il puisse auto-input du liquide, parce que c'est assez dur à gérer. Les pipes sont codées de façon bizarrement, et du coup, ça m'étonnait un peu. Pas de problème, c'est corrigé. Ok, et on va retourner un peu voir au niveau de notre lave, mais je pense qu'il a commencé à remplir en fait pour l'instant la dynamo, mais qu'il n'a pas encore trouvé assez de lave pour miner le reste. Mais après, il n'y a pas d'upgrade de vitesse, hein, c'est-à-dire que lui, il va à sa vitesse et point, quoi. Il n'y a pas de secret. Mais si la dynamo est déjà pleine de lave, ça veut dire qu'il a validé. Et après, il devrait y avoir de la stone qui a dû se créer. Ouais, voilà, il commence à choper de la stone ici, donc visiblement, il est en train de creuser. Voilà, lui, il est plein à 3 et quelques seaux de lave. Donc d'ici qu'il ait démarré, parce que pour l'instant, il se trouve dans un chunk où il y a très peu de lave, en gros. Là, il est dans un chunk où c'est un peu radin en lave. Dès qu'il aura attaqué ici, ça sera ok. Donc là, d'ici quelques minutes, ça sera bon. Hop, direction home. Lui, il craftait, non? Je m'en rappelle plus. Dans lui, il est fini de crafter. Ah oui, il fallait que je voie pour crafter les outils, du coup. Alors, les outils par contre de draconique ils sont assez chers encore une fois. Et je pourrais pas upgrade cette version-là tant que j'aurais pas fait la bocconnette draconienne.
J'espère qu'on aura le temps de faire. Ah non, je sais ce que je voulais faire, parce que j'avais dit que c'était trop cher au niveau machin. Fallait que je fasse le spawner donc. Je pense que je vais le faire. Normalement, en dessous là, il n'y a rien trop. Il n'y a trop rien, donc je pense que je vais le faire dans le coin. Donc, par exemple, imaginons que je fasse une entrée ici. On va creuser une petite zone ici. Ok. Et on va y faire un spawner. Donc il faut comprendre que normalement, comme je vais utiliser des blocs un peu spéciaux et que je suis dans ma zone claim, normalement, de toute façon, j'ai pas de dégâts d'explosion d'un wither. Mais je vais faire tout comme. Je vais faire tout comme si j'avais des dégâts d'explosion. Parce que sinon c'est pas très marrant. Parce qu'en vrai je pourrais déjà faire le spawner du wither là, vu qu'il n'y a pas de dégâts d'explosion quand je suis dans mon chunk. Juste à le faire ici et puis il exploserait, rien ne se passerait, c'est ok quoi. Je réfléchis à comment je vais le faire. Je crois qu'ici donc il va y avoir une plateforme de spawn. Attends, on va éclairer un peu. Ici je vais faire une plateforme de spawn où je vais créer le wither. Ensuite je vais faire en sorte de le faire tomber. Certainement avec des vecteurs. Ouais. Je vais les faire tomber avec des vecteurs. Genre comme ça là. Et une fois qu'il sera là, je vais le repousser à l'intérieur. Je viens penser qu'à chaque fois que vous le faites pop, il y a un certain nombre de secondes où vous pouvez le bouger, mais où lui par contre ne peut pas bouger. Il faut profiter de ce temps en fait pour le mettre à un endroit où s'il explose, c'est pas grave. Une zone où il y a entièrement que des blocs blindés. Donc là, je vais le faire spawn ici, je vais le faire tomber ici, et ensuite il faudrait que je m'arrange pour le faire passer par là. Ça devrait être possible avec de l'eau. C'est-à-dire que si je mets un bloc d'eau ici, normalement, quand il va atterrir là, il va être poussé là en dessous. Donc quand il va exploser, il fera de mal à personne. Donc voilà notre spawner classique qui devrait marcher même si vous n'êtes pas dans une zone claim. Par contre, tous ces blocs-là devront être des blocs blindés. Tous les blocs qui sont à partir d'ici. C'est quand il va exploser, en gros, tous les blocs que vous voyez ici, là, jusqu'à là-haut. Vont exploser d'un coup. Donc il faut tous les blinder. On va faire ça, je pense. Pourquoi je mets les vecteurs ici? Parce que c'est le plus simple. Pourquoi je mets pas des vecteurs ici? Parce que quand il va exploser, techniquement, les vecteurs gicleraient. C'est-à-dire que si je mets des vecteurs ici, ça le repousserait jusqu'ici, il serait bien. Par contre, dès qu'il explose, les vecteurs, pff, hop, ils s'envoleraient. Donc ça serait pas très marrant pour les vecteurs, vu qu'ils exploseraient à chaque fois. Maintenant, il faut que je mine la zone pour mettre les blocs blindés. Et donc mon spawner, lui, il sera ici à peu près. Mon spawner, mon tueur, mon grinder. Ok, et pour ça j'aurai besoin d'obsidienne, évidemment je crois que j'en ai plus du tout du tout. Même pas un peu quoi. Il me reste une obsidienne, puis de toute façon lui il est bouché pour l'instant. J'avais dit que je le laissais boucher parce qu'il faut que lui il monte au-dessus de 400 000 d'énergie pour pouvoir faire les crafts. Ça va, il est déjà à 500 000. En vrai, il est pas trop mal. Quant à ici, il va falloir que je fasse des élévators parce que j'en ai marre de monter et de descendre comme un con. Donc je vais faire deux élévators. L'élévateur, c'est les ascenseurs. Ah, il va falloir de la laine, donc je vais aller tuer quelques moutons. Sheep. Allez, fonce, vole, cours, bandit. Change la Pokéball.
par sheep. Et ça, il va y avoir rapidement de la laine qui devrait se créer dans le coin. Voilà, il y a déjà de la laine et des côtes de mouton. Il m'en faut 16 avant de rechanger. Ah bah c'est bon niveau Blaze Rod, je commence à être correct là. Ah par contre j'ai toutes les couleurs, c'est-à-dire que là j'ai de la light gray. Là j'ai de la wool normale. Bon je vais la laisser marcher un peu et est-ce que j'aurai pas par hasard plein de string? Voilà, ça j'en aurai pour quand j'en vais plus tard. Et donc avec la wool, on fait ça, on met une enderpearl au milieu. La wool qui me manque, paf. Hop, les élévateurs ça va par deux, hein, toujours. Au moins, on peut en mettre plus, mais ça va au moins par deux. Hop. Voilà, ici donc du coup ça sera blindé, donc c'est bon. Et donc ici. Paf, et quand je shift là-dessus, hop, et quand je saute, je remonte. C'est bon. Ça, c'est réglé. Je vais pouvoir enlever le truc de mouton, parce que ça va me spammer truc de mouton à mort. Est-ce qu'on met le liquide sur les 200 et quelques mille que j'avais tout à l'heure? Non, c'était plutôt 500 000, je pense, parce qu'il me reste encore 400 000. Ça devrait marcher encore un petit moment. Toi, tu vas retourner dans l'ordinateur. Là aussi, je pourrais mettre un élévateur, en vrai. Hein. J'en ai 22, je pourrais. Hop, 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 hop. Voilà, comme ça, je peux descendre comme ça et remonter comme ça. C'est quand même plus simple. Niveau obsidienne, on est où? Est-ce que lui, il a commencé de bosser ou c'est toujours une grosse feignasse? Trente-neuf. Bon, bah, c'est pas fou, mais bon. Draconique évolution. Tac. Voilà, j'ai pu en faire 9 avec ça, c'est quand même pas fou. Attends, on va vérifier si quand on détruit un Wither Boss, si ça détruit tout aux alentours. Je vais juste blinder ici pour être tranquille. Et a priori, ici, je vais mettre le grinder. Donc, je vais le mettre ici. Voilà, et donc le grinder ici. Donc il me faudrait. Alors déjà, je vais mettre un truc temporaire. Add new. Tac. Et je vais retourner à home pour remonter là-haut rapidement. Qu'est-ce qu'elle a, ma chips? Le petit chat, 30 secondes. C'est bon, il est au-dessus de gratouille, il est content. Hop, on descend. Je prends le mob grinder. Je remonte. Tu bailles mon gros chat? Ah, et pour aller là-bas, il faut directement que je fasse ça. Voilà, ça j'y suis direct. Je peux remettre le grinder. Voilà, et je vais mettre un flux bidule chouette. Avec une bonne grosse priorité pour être sûr qu'il ait tout le temps de l'énergie. Superbe. Voilà. Et on va l'appeler Grinder Wither Boss pour bien comprendre que lui, il faut tout le temps qu'il soit allumé. Ils ont mis une priorité de 3. Comme ça, on est sûr qu'il a tout le temps d'énergie.
Comme ça, lui, il est blindé d'énergie parce que c'est important. Il ne faut pas que vous fassiez spawn chez vous 3, 4, 5, 6, 8 boss si le grinder est pas full énergie. Parce que vous allez avoir un problème du type mort. Du mort certaine, quoi. Oui, mon minou, oui. Donc là, techniquement, ça marcherait. Il faut juste que je fasse le système pour faire spawn le Wither Boss. Et donc ça va être ici. C'est-à-dire là. Voilà, il y a des chances que je relie vers le dessus, si c'est possible. Pour aller vers mon ordi, ce serait le plus simple. Ouais. Il est où l'ordi? Il est là-bas. D'accord, il faut que je me décale un peu par là alors. Et que je fasse un trou pour relier l'ordi ici, par exemple. Ok. Faisons ça. Pourquoi il y a un trou ici? Ah ouais, c'est vrai que j'ai tout construit ici avec le builder. Donc du coup, il y a des formes étranges. Voilà. Ensuite, il me faudrait des câbles. J'en ai 29 au cas où je vais en recréer un peu. Donc, hop, R comme récip. Shift, hop, fais-moi un stack. Bon, ça va, je suis bien. Et donc, on va connecter tout ça jusqu'en bas. Donc, l'idée, c'est que Refine Storage a la possibilité, un peu comme d'ailleurs à Plane Energistic, de pouvoir créer des blocs, c'est-à-dire les poser à la demande. Mais il faut toujours s'assurer pour que ça marche, que c'est un spawner très simple à faire, mais par contre il peut bugger. Et pour qu'il bug pas, il faut s'assurer qu'il y ait toujours du soul sand dans la machine, plus de soul sand que de tête. Si c'est pas le cas, après on peut le vérifier via des conditions de logique, mais en gros si c'est pas le cas, vous allez avoir un petit souci dans le sens où il va poser les têtes au mauvais endroit. Et si les têtes sont posées au mauvais endroit, le boss ne popera pas, et tant que vous n'êtes pas venu le débugger, ça ne popera plus. Okay, donc là c'est bon. Pourquoi il veut pas poser les câbles? Mais tu m'emmerdes avec ta torche toi, hein, c'est pas possible, hein. Voilà. Et donc vu qu'on va le faire spawn ici, il faut que les blocs soient là, donc il faut que je creuse un petit peu par là. Voilà, et ensuite que je dessine la forme de ce que je veux faire. Donc déjà, pour l'instant, je veux poser 4 soul sand. Donc, comme ça, dans cette configuration-là. Pour les poser, on va utiliser Refine Storage, donc, et on va utiliser les construction plates. Les constructeurs, d'ailleurs, ça s'appelle ici. Hop, on utilise l'ordinateur. Bonjour. Peux-tu me faire des constructeurs? Voilà, et on va en faire 3 de plus pour tout à l'heure. Donc les constructeurs à qui on va dire, toi Coco, il faut que tu me construises dans ce sens-là, cette forme-là. Il veut me dire, oui monseigneur, mais bien sûr, il faut que je lui dise avec quel bloc il faut construire ça. Pour ça, on va aller dans l'ordi, prendre du soul sand. Voilà, et on va lui dire, tu le construis en soul sand. Et donc avec cette méthode, à chaque fois qu'il a de la soul sand qui traîne dans l'ordi, il va essayer de la poser ici, tant qu'il n'y a pas de bloc qui gêne. Par exemple, là en ce moment, il y a un bloc qui gêne. La cobble que j'ai mis. Hop, mais si j'enlève la cobble, voilà, il a construit ce qu'il fallait. D'accord, donc ça c'est fait. Ensuite, on avait dit qu'il nous fallait des vecteurs. Donc à savoir que les vecteurs plate, par contre, je sais pas si je pourrais faire tous les tiers. Donc les vecteurs qui nous poussent rapidement dans une direction. On peut déjà en faire de base, je pense. J'ai plus du tout de slime ball, de quoi que ce soit. Mais même du rice slime ball, je peux pas en avoir.
Du slime, je sais pas quoi, peu importe. Bon, bah, j'ai des mobs slime ball que je peux faire pop dans le truc pour avoir des slime ball, mais non. C'est pas trop le but. Je dois en avoir dans le truc qui est tout au fond là-bas. J'avais récupéré de Tinker's Construct les trucs des îles. Donc je dois avoir des trucs de slime ball qui traînent, tout à fait. Ça, c'est fait. Donc c'était pour les vectors. Tac. Oui, récipice is too large parce que j'ai pas mis ma crafting grid. Parce que je suis un peu. Hein, voilà. Ok. Et donc on peut les transformer via du dark sugar qu'on fait avec du sucre et un unstable ender pearl. Ender pearl, c'est avec des wither dust. Donc normalement, des wither dust, j'en ai pas dans mon ordinateur. C'est très dommage. Mais je sais que j'en ai dans le spawner parce que j'ai tué des milliers de wither. Voilà, maintenant il y en a dans l'ordi. Toi tu vas dans l'ordi, toi tu vas dans l'ordi. Voilà, et donc il faut que je crée le fameux Dark Sucre. Ah, le Dark Sucre, ça se faisait aussi juste avec le Wither Dust. Il m'a emmerdé pour une compo qui était même pas obligatoire. Hop, donc là on a les jaunes. Par contre, je sais pas si je pourrais faire les rouges. Ça va, alors qu'il me faut les Wither Dust blocs. Ouais, c'est juste de la Wither Dust en bloc en gros. Bah, c'est bon normalement, on en a. Et voilà, on a les rouges. Alors, autant vous dire que la dernière fois, on avait les verts. Là. Je vous montre les verts. Bon, ils nous poussent, certes. Mais on peut même les combattre en avançant. Voilà, là je bouge pas, ils nous poussent un peu. Je vais vous montrer avec les rouges que ça donne. C'est un petit peu différent, quoi. Après, j'aurais peut-être même dû créer des jaunes. Peut-être que les rouges vont être trop violents. Donc là, je vais juste m'avancer un petit peu dessus. Piou! L'ennui, c'est que ça pousse tellement loin que c'est possible que ça fasse un petit peu glitcher le Wither Boss dans le mur, le fait d'avoir pris des rouges. Peut-être que je prendrais des jaunes si ça bug. Mais en gros, là, ce qu'on veut, c'est ça. Ah oui, bah, il va les créer au fur et à mesure. Je suis un peu con. Moi. Je lui ai demandé de les créer, donc il va les créer. Faut que je me mette dans ce sens-là pour les poser dans le bon sens, les flèches. Voilà, là, là. Et ici. Ah, maintenant c'est une zone de non-droit. À chaque fois que je vais passer ici, je vais me faire pousser comme une merde. Hein. Ça, c'est ce qu'il y a de bien dans les spawners qui poussent les entités, c'est que ça vous pousse aussi. Là. Hop, voilà. Je tombe direct. Il me faudrait le hover mode, voilà, que je puisse poser les blocs au fond. Voilà, donc là normalement quand il va spawner. Hop, ça va tomber directement comme ça. Maintenant, on veut placer trois têtes. Pour placer trois têtes, on va les placer ici. Donc, il faudrait que je creuse par là. Et pareil que tout à l'heure. Après, ça peut être bouché, hein. C'est pas obligatoire d'être aussi gros. Comme tout à l'heure, on va vouloir construire des choses, donc avec des constructeurs. Voilà, et là ils sont branchés. Et on va lui dire cette fois-ci, il faut que tu utilises des têtes de Wither Boss. Attention, parce que quand je vais le placer, c'est parti. Hein. C'est-à-dire que là, lui, il s'occupe pas de l'ordinateur. Si on lui donne pas des ordres de redstone pour les envoyer, s'il a trois têtes, il va les mettre. Donc quand vous faites ça, faites bien attention à cette étape-là. Hein. Parce que c'est un coup à se suicider, du coup. Bon, ça devrait pas être un problème, parce que comme je dis, normalement, c'est protégé dans le coin. Donc je vais juste lui laisser trois têtes pour qu'il en fasse pop qu'un. Ouais, je mettrai les trois têtes après. Donc, toi, il faut que tu utilises ça. Ça consomme pas le bloc, c'est juste pour lui donner l'exemple de ce qu'il faut qu'il utilise. Mais ça ne consomme pas le bloc. Voilà. Parce que sinon, il y a Restone Mode, hein, si vous voulez éviter les problèmes. Mais il faut les configurer bien. Il faut pas faire ça n'importe comment. Voilà. Et maintenant, je vais casser ces blocs-là. Pour l'instant, il va rien faire, parce que dans l'ordinateur, il n'y a plus de têtes. Toutes les têtes sont dans mon inventaire. Et je vais placer trois têtes et il va les mettre instant. Paf. Voilà. Et donc là, il était poussé par le vecteur et il descend par là. Donc après, normalement, en bas, j'ai une source d'eau. Je vais reculer un peu parce qu'il va me tuer sinon. Voilà, il s'est fait tuer direct.
Mais je voudrais en fait, dans le principe, parce que là j'ai pas les blocs de protection, mais je suis censé les avoir, que si y a pas les blocs pour faire ça en fait. Ah oui, il faut une pickaxe cobalt évidemment, donc je pourrais pas le faire avec lui. Ah ouais, c'est si long que ça. Je sais pas si vous voyez au-dessus ce qui est en train de se passer. C'est plutôt lent. Parce que j'ai oublié de mettre le bloc source ici. Du coup, je vais tout de suite le casser. Mais le principe, c'est si vous n'avez pas de chunk protégé, que vous voulez pas qu'il explose de la base et que vous l'entourez entièrement, ce que je vais faire d'ici demain, en fait. Parce que là, en fait, j'ai pas envie de vous faire attendre 12 heures d'ici que dans le Nether, j'ai eu assez de lave pour pouvoir faire l'obsidienne. Mais d'ici demain, j'aurai utilisé tous les blocs pour le faire. C'est juste pour vous montrer comment faire le spawner, comme ça, vous savez. Alors, j'avais dit que je mettais un bloc source en dessous de ça. Donc ici, j'en mets deux. Ici, là aussi. Là, j'en mets un. Là, j'en mets un. Et comme ça. Il va pas être dans le bon sens, lui, par contre, si je fais ça. C'est ça. Vous pouvez le tourner normalement avec une petite wrench. Voilà. Là, il est dans le bon sens. On voit l'agression venir de la tête méchante. Pareil, tous ces blocs-là, il faudrait que je les remplace en infuse machin truc d'ici demain. Mais dans le principe, c'est ça. Et comme ça, quand je mets un seau d'eau ici, on va en refaire pop 1 pour que vous voyez ce que je veux dire. Et après, on ira se planquer pour que vous voyez que j'ai pas envie de mourir. Explosion pour l'instant. Ah, quoique, non, je me ferais pas tuer maintenant que j'ai l'armure électrique de machin truc, je devrais pas mourir. Donc là, on va remettre les trois têtes. Paf, il va les faire pop instant. Hop, il l'a viré. Lui, il va arriver dans l'eau. Il va se faire pousser. Ah, j'ai fait un bloc trop haut. Avec du coup, il n'arrive pas à être poussé sous la structure. Merci, Dragon YouTube pour ton follow. Donc, pour qu'il puisse passer, il faut que je passe un cran de trop, en fait. Voilà. Ça me fera placer 3 blocs de plus, 5 blocs de plus, c'est pas grave. Mais voilà. Et comme ça, il sera poussé dans cette direction. Et il sera tué en sécurité dans une zone entièrement entourée d'obsidienne protégée. Même si là, encore une fois, ça marche juste parce que je suis dans une zone protégée et que ça n'explose pas. Sinon, là, il aurait déjà ruiné la moitié de ma base. Qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi, évidemment. C'est ma spécialité. On en fait pop un dernier. Cette fois-ci, il devrait passer. Bon, après, vous gardez les mêmes proportions pour faire vos bases et ça passera. Voilà, là, il va se faire pousser en dessous. Et voilà. Là, il va exploser complètement à part. Là où il risque de blesser personne et ni aucun matos. Là, j'ai encore pris un peu les dégâts parce que je suis à l'endroit où ça pète. Si je voulais pas prendre les dégâts, en fait, il faudrait que je mette une petite couverture ici, là. Soit que je recule la zone, soit que je mette une petite couverture ici pour éviter qu'il me défonce la cramouille avec l'explosion. Parce qu'en fait, ça couvre des explosions. Il faudrait que je mette en fait un bloc pour me protéger, là. Si on a le point de vue, donc là par exemple quand je fais ça, on voit que j'ai le point de vue, mais l'explosion là elle peut passer dans la petite fente et venir jusqu'à ma tête. Par contre, si c'était couvert comme ça, que je voyais rien, bon bah là du coup ça, il n'y aurait pas de problème. Je pourrais seulement reculer sinon l'élévateur d'un bloc et reculer la structure d'un cran et c'est bon. Voilà, ça fonctionne. Il ne reste plus qu'à décorer et à faire 1 million de blocs de draconium infuse obsidian. Si long à miner, donc vous ne trouvez pas quand vous les posez, parce que vous avez vu le temps qu'il m'a fallu pour en casser, donc faut éviter. Et ça se fera une fois que lui, il m'en aura crafté. Pour l'instant, il m'en a crafté, lui. Non, ça c'est du coal. Obsidienne. Zéro. Ah oui, c'est pas rapide quand même. La pompe, avant, elle était plus performante. Je sais pas si je l'ai mis dans une zone où il n'y a pas beaucoup de lave, mais la pompe est quand même pas très performante, hein. Là, mon ami n'est combien pour l'instant? Ouais. C'est pas ouf. Est-ce qu'ils ont nerfé ça ou bien? Bah non, pourtant, là, regarde, la machine est complètement pleine, non? C'est bien dans un chunk, on est d'accord? Oui. Et il est bien load, on est d'accord? Oui. Alors, si je suis dans une zone. Ouais, je suis d'en bas à Rosti, mais c'est marqué en bas ici.
Quand je rentre dans la team, ça veut dire que c'est l'eau d'ici. Je ne sais pas pourquoi il est si lent à fabriquer de l'obsidienne. Ça me turlupine. Je vais checker ça. Et donc d'ici demain, il aura fabriqué largement de quoi alimenter mon spawner. Et mon spawner commencera à marcher. D'ailleurs, je le ferai marcher sûrement un petit peu pour commencer à faire des Nether Stars. Parce que là, j'en ai 3, mais sûrement qu'il va falloir un ou deux stacks. Donc c'est un ou deux stacks, il va falloir que je les fasse. Après, soit je vais farmer de la soul sand pour ça, dans le Nether, avec une pelle. Soit je la fabrique avec du sable et différents trucs. Ah ouais, ça avec... On peut en faire avec justement les Wither Dust en bas qui me servent à rien, je peux en faire. C'est comme ça que j'en avais fait. Donc lui, il est chargé là. Bah alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas en train de surmotiver lui en lave? C'est bizarre, la lave ne rentre pas alors qu'elle est dans le tuyau. Ah, je sais. Oh, fais chier. En fait, dans le Nether, vous avez deux types de liquide dans ce modpack à cause de thermal. Et en fait, si on regarde, le truc est jaune là. Je vous montre. Il est jaune parce qu'il contient de la glowstone liquide. Et en fait, il faut que je la filtre. Il faut que je la filtre pour éviter qu'elle bloque dans la machine. Alors pour ça, il faut que j'utilise un drum. Après, il y a un bloc de glowstone tous les 20 chunks en fait. Donc c'est quasiment rien. Hein. C'est juste que bah, c'est tombé tout au début, donc ça a arrêté la machine. Ce que vous faites une fois que vous avez de la glowstone débloquée, ou quand vous pouvez vous le permettre, quoi. Vous placez quand c'est possible un drum. Le drum va être rempli de glowstone et donc toute la glowstone sera éjectée ici. Voilà. Ça évite que ça bloque la machine de ce côté-là. Et normalement, elle ne peut pas bloquer du côté de la pompe, parce que la pompe est pas censée prendre. Ah aussi, bah du coup elle peut. Est pas censée prendre de la glowstone, mais je suis en train de me dire que si, parce que si elle est arrivée par là, c'est que la pompe l'a pris. Ce qui veut dire que du coup, pour sécuriser mon truc, pour pas qu'il se bloque, parce que là, du coup, imaginez que ça soit rempli de lave, ok? Et que de l'autre côté, c'est en train de pomper. Si c'est en train de pomper de la lave et que d'un coup, il y a une glowstone qui passe et qu'il la met dans le système, le truc, c'est qu'il pourra pas mettre le truc ici à la place de la lave, parce qu'il peut pas mélanger de liquide. Donc en fait, ça, il faudrait que je le mette plutôt du côté du Nether. Pour éviter à tout prix que ça bloque le tuyau. Maintenant que lui ne contient que de la glowstone, je vais le mettre en amont. Pour que je sois sûr que si je me retrouve à pomper de la glowstone, elle aille directement dans le drum. Comme je disais tout à l'heure, hein, les tuyaux ils fonctionnent par priorité. C'est-à-dire que il ira dans l'inventaire le plus proche qu'il trouve, qui peut contenir le liquide. Donc si je fais ça, l'inventaire le plus proche, c'est justement. Ce conteneur d'Iron Drum de Glowstone. Et comme je dis, il y a un bloc tous les millions de chunks, donc ça cause pas de problème. Ok, donc là il devrait pouvoir redémarrer là. C'est ça. Ok, bah c'est pour ça qu'il s'est arrêté, parce que sûrement que là-haut, là, à cet endroit-là précis où elle s'est arrêtée maintenant, là-haut dans le ciel, il devait y avoir de la Glowstone qui était planquée. Ok, bon bah ça c'est bon. Je vais juste regarder quelque chose vite fait. Donc, pareil, demain. D'ailleurs, est-ce que mon bot il a marché? Non. Demain, même heure, donc c'est vers 16h30 jusqu'à 19h, je continue mon live. Demain, je pense qu'on va commencer, on va continuer un petit peu Draconic Evolution, mais on va sûrement faire d'autres trucs aussi. Le Draconic, je commence à avancer à un point où il va falloir que j'ai un petit peu d'attente. Donc le Draconic Evolution, je vais sûrement utiliser un peu mon énergie pour faire les premiers blocs de Awakened Draconium. Peut-être faire respawn un dragon de l'end normal, pas un chaos. Et ça sera pas mal, je pense. Ok, non d'accord. Moi je vous laisse, je vous dis donc à demain après-midi, fin d'après-midi 16h30 jusqu'à 19h pour la suite de ça. Je vous souhaite une bonne soirée, n'hésitez pas à lâcher un follow si vous ne l'avez pas encore fait. Je stream quasiment tous les jours. Et bonne journée, ciao one.